Bonsoir tout le monde. Bokota kota, to solo la, to panzampo, qu'est-ce s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir. Bonsoir. Na bena ka kito, kito va 600 ngot. Faire ça, c'est hein. Eh, où est la tchatche? Na benda ka, to solo la moi moke. Bonsoir. Bonsoir, na bnonyo, so bat bozo landanga. Vraiment bonsoir. Joyeux anniversaire encore à toi, maman Lekiamoto. Babi Lekia, maman Nanga propre, lui Zana. Hein? Nalenga New York, bonsoir. Ba aussi Sango, Makamaluka, ba aussi Sango. Ba aussi Sango, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Boza bien, ponga naza bien. Po vraiment naza bien quoi. Bonsoir. Est-ce que boza bien? Boza bien. Boko ta parce que dans mon internet toyo, bo toza na problème. Internet e kabwanie. Banane baza pour, banane baza contre. Banane baza pour, banane baza contre. Ngaso eza na ngoli kama porté. Ngaso ko nazo confronté. Nazali kambu ya porté. Nga pena na a porté. Na a porté, donc, to me kako débattre moutié. La tige la binotante. Eza joli. Dimanche na lundi. La tige la binotante ma kasi, prebi. Tan e belé. Oya lobi. Oya lobi. Oya peside na e. O kuna zong si makalisi na e. Bon. Pourquoi to zela? Pourquoi to bomba? To bomba tan? Bon matin. Bonsoir à toi Judith Mamoulou bah, et bonsoir. Bonsoir à toi coach Bengo Tete la Kema Fumbe, bonsoir hein. Bonsoir na ba o yanga balinga Blandine au sac au mingi. Bonsoir. Ba toi réclamer galobi blanc blanc sala live boy na boy et tout. Eh na bandi nanu Yolande moi noir kwe. La sœur de quelqu'un. Na binga la sœur de quelqu'un. Yolande Manouakou. Bonsoir. Bakolo baba lobi lobi na bato ba mona ki ona nani nanzela. Oh lobi na bato. Sentiment na nga mote maloba. Na sala nini poyo ni manga. Lobela ngai na yokai. Ah, Nzambe, qui secrétaire, on a dit secrétaire, mon quoi, mais secrétaire, mon mawa. Eh, Nzambe, secrétaire. Mère, allez, qui ose moi, non, pardon. Nanou, farma. Vous êtes un assistante, hein? Y'a Julie Moubenga, y'a Julie. Bonsoir à tous. Be now.
Silence, binonyo soba na membre. Babi moutou na moutaza na base na yi. Ngasko lelo anniversaire ya mama leki nanga leki ya mama nanga propre. Djemba shocha. Boko souhaite joyeux anniversaire te. Oh my god! Eh, nana za tina stonar. Nini, stina nini? Tina stonar. Hein? Nakubika la marena. La marena, eh, oroba ki. Ah, bebe, bebe, you. Zela no, zela no, misa no, vidya la marena. Hmm? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, my mother, happy birthday to you. You welcome, my sister Judith et maman Mouluba, I love you. Big love à toi ma puce chérie. Nzamba bate la yona famille Mobimba, donc on est dans le bon toujours. Hmm? On est dans le bon toujours, comme d'habitude. To solo la solo la. To solo la solo la. Donc vous avez téléphone, numéro à téléphone Izawana. Numéro à téléphone Izali. Moutounio, ça en a besoin d'intervenir. La personne, tout le monde peut intervenir. Hein? Tout le monde peut intervenir en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Ketia Mokango. Merci ma puce, merci. Natie pour n'en faire ça moi si valait. Pour toi, tu es basi ba koma. Est-ce que moi si a koma mon bali ou bien moi ça za moi moi si. Moi si tant yozo kanga. Moi si tant yozo kanga ndeko na nani muninga no moi si. Ozo coincé. Ozo coincé na nzoto. Ozo mon bali toza moi si. Bon, à suivre. À suivre donc tout cela vous pouvez appeler ok là moi je reviens juste vite fait pour na sola likambo il y a interview et les gars dernièrement et pas il y a la marraine pardon que la marraine au pessinga libumu pas si ou la marraine a pessinga diarrhée récupère nous aux sous un besoin à charge. La marée de Pessina Liboumou passe. Bon, to bandi, hein, pour battre Balina le balélote. Tokei. Allo, oui, bonsoir. D'accord, bonsoir. Ok, Nazo l'exemple à la mona là, il vaut plus expression, non, s'il vous plaît. Non, ça, non, l'exemple. Merci, Bazo Yokayo. Allô? 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 Oui, Tozo Yokayo, maman, parce que Totali ba vidéo, ben intervignon sort, ba moussou sou baza pour Michel, ba moussou baza contre Gladys, donc, pona yo, attaque maman, attaque moi si. Poli kambo lelo Tozo si lisango, après nako récupérer la marée nanga moko, je vais la gérer moi-même à ma façon. Donc, impression, on a la live, on a la continue sur le lobby. En tout cas, maman Blandine, dans la vie, dans la vie, dans la vie,
aza mwasi lokola biso na yonde to sa basi lokola basi nyonso to oyo babotaka tu vois ngai eloko oyo salinga pasi parce que Michel art oya sali akoka ko sala ngoti na sens ndingi mobali suka zana mwasi na kaza na mwasi na kata ndako jama ko kende libanda akende aloba akelinga mutu aloba na yeke Gladys se ngande na zaboye na na mwasi na ngana Belgique kombone to kombone Michel donc la intimité que moi na na Gladys akoki ko kolinga ye donc a lingi ye donc ça veut dire que ezala ngo na intimité même tant ngai donc mobali moka lobina ngake na zala mwasi moko boye azalaka na po azana na poto nga na lingi okaka pona boye na intimité na olinga te no ba ah donc c'est que mutu azala mwasi na ye aye kaka pona aya pona asakala nga po aobala nga te po azana mwasi na ye na intimité que alobaki na mwana na bongo ke azala mwasi na ye na poto donc abi soka la alliance na minute na ma blandine alongola ki alliance tu vois tout à fait c'est comme Michel Michel est loco oyoye à sala qui m'a bé tant wa piège ta ki mwana wana alinga ki ko filmer mwana wana na bilamba na ye alobi Gladys na ikanga ki ba conversation na yo na Tony na bande ko luka yo mais gloire à Dieu na suyo mais o nga na za ya na yo yo za mwana na komona yo boye oza mwana soke za kinde tinga na din na lo bandeti yo oza mwana kote muso oza nte parce que nini o wana aza mobali o mobali nanga comme na moni yo lelo ndengo za wana nde na piège o boye na koko sala yo eloko nyonso to na koko sala yo mais na osala ngo na boyi na kede boloko mais eloko nazo yebi na okebisa yo na ofilme yo po mokili eyoka avertissement oyo nga napesi yo Gladys omoni mobali wana aza mobali na nga yo oza lokola leki na ngai soki bozala pena bino baye mwasa mobali omoni na parti lelo nde na ntima mpona ndako na nga awa tika so oza matoya koyoka leki na nga mwana nga yoka soko za motema konzima leki nango bie mwana nga nzima na osalelo omote na obeta otelo te ngana na filme po mokili emona ke nga na filme yo ke na opesa o premier avertissement na osalelo omoko te na filme me yebango misu na nga eza likolo na yo soki azaki mote so na nga so na motema malamu oyebe na oyaki na tike ngambu na futa yako tike na kozwa ta $10 na pesi yo nga bi futa tike siko omayabla ndi na pla apartie ya wana siko nakomi kotala ye soki na ye soki kokanga ye lisusu na mobali na nga a wana deja monde seyebaki avertissement oyo napesaki deja na bavideo oyo tosala soki apesaki avertissement na ye nde na maloba onga na uti oloba soki asalaki ayokaki te baseno nyonso to asali oyo Michel asali oyo soki asalaki yango motu moko te alinga kokontane Michel alinga kokontane te mpo alinga oloba mokili ngo ba me mwana na me mwana mwonso apekisaki ye bino nyonso to boyokaki me mwana yango do se kazaka mwana mabe yo moninga apekisi yo azwi meme ata mwa mbongo ta so apesi yo nyonso oyo katolika mbaya atika basale mbongo mpo alapa tellement comme asala kyango te amoneka ye ganki amoni ye ka ye boye ali yango abi atika na publie ye mpona na yokisa ye soni na reputation na ye ebeba mais asali erreur asali erreur mpo nde aza na mayabla ndi akokangama parce que ye mwana mobali wana azaa mwasi na Londres mwasi wana azaki aza nde na Londres wana mobali yango wana soki ye toni wana ntango ye alinga ya Michel ce Michel atunaki ete ke to aza marie mem ata soki Michel ayebaki ke toni wana aza marie estce que ye Michel réaction na ye eza nini alo estce que nzambe allo oui bonsoir
Oui, bonsoir madame, vous êtes en direct, hein? Oui, bonsoir. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc, on a bien dit pour intervenir, si ça ne dérange pas. Oui, je vous en prie. Donc, nous avons un peu moins de temps, pour analyser mon dame, parce qu'on a beaucoup suivi. Mais toujours moins de temps pour analyser l'histoire, il y a Gladys, na Michel. Pour nous, on a battu Billy, bon, comment? Je suis Michel. Je critique pas, non, personnellement, moi, analyse. Oui, comme que je suis Michel, à bout de ma papa Misato. Ça veut dire que vous voulez passer en live? Papa mi balé s'invite. D'accord, je vais vous mettre, il y a une dame déjà qui est en live, donc je vais vous mettre tous les deux, que vous donnez votre opinion, après je vais faire entrer d'autres personnes, c'est bon? On va passer deux par deux pour éviter de boucher un petit peu la ligne, en fait. Merci. Allons. Alors, là, oui, j'ai mis tous les deux lignes, hein, voilà, on vous écoute. D'accord, moi, je laisse la maman parler d'abord, je laisse finir. D'accord, laisse-la finir, après tu peux rattraper derrière. Oui. Tozo yo kayo, maman. Voilà, moi, déjà, à la base, on a oublié, au moins, il y a surtout autre chose pour intervenir. Là, depuis notre grosse émission, on a dit surtout autre chose pour intervenir. Deux sœurs en mariage. Notre deux femmes, notre ancien président,
qu'il y avait deux sœurs en mariage, deux jumelles. Et où est-ce qu'on a vu que, oh, on a dit que mon nom est Takala. Il faut arrêter de dire que je suis Michel, je suis Michel. Mais non, qui dit que vos hommes-là, c'est vos hommes à vous? Ok, maman, maman n'angande konanga, kata po batu mususu. Allo? Kata po batu mususu bazo kota déjà na ligne, hein? Donc, au résumé, moi, mon keto tige la peine de konatsu mususu à kota. Moi, je condamne l'acte de Michel. Ok. Natie volume bandeko bozo yo kayete natie o parleur kutu bozo yo kayete natie volume makasi po boyo kayete. Moi, bana, pardon, rappelez les sous bazo réclamer volume, je sais pas pourquoi. Je vais faire un truc là, non, mais essaye mon bon. Alobi bazo yo kayo, balobi bazo kato bazo réclamer volume, volume, volume. Donc, balobi c'est bon, loba moi ma kasi, ba yé, c'est bon. Ok. Une vraie femme. À l'heure d'aujourd'hui, personne n'a pas l'air à l'Ibala. C'est bon. D'accord. Ok. Merci ma chérie. Par contre, ma soeur, s'il vous plaît, nakota mutumususu yo rappeler, hein, si c'est possible. Pour battre, on va réclamer déjà. Tokota moko moko yo rappeler après quelques minutes. Merci. Allô, oui, bonsoir. 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 Ça va? Ça va, ça va. Et vous? Ouais, je vais bien, merci. Je pense que vous avez appelé pour passer en direct, en fait. Oui, voilà. On vous écoute, votre impression, vos sentiments et tout. Je m'exprime en français. Le clavier est ouvert. Oui, exprime-toi en français parce qu'il y a des gens qui réclament la langue française. Bon, moi, je me suis permis d'appeler parce que, franchement, cette histoire, elle est inacceptable. Un petit peu, ça. La Michelle, on ne sait pas d'où elle vient, t'es là, t'es en Belgique, t'as pas vu les hommes de Belgique, t'as pas vu les hommes de France, t'as pas vu les hommes d'Allemagne, de toute l'Europe plutôt, t'as vu un homme à Kinshasa. L'homme à Kinshasa, quand toi tu pars, ok il est à toi, mais quand tu reviens en Belgique, l'homme il a une autre personne. Pourquoi? Parce que quand tu le laisses, est-ce que tu sais ce qu'il fait derrière toi? Il a aussi des besoins, il a des envies. Maintenant aujourd'hui tu as vu Gladys, tu l'as menacé, mais qui te dit derrière Gladys, il y en a peut-être beaucoup d'autres. Oui. Aujourd'hui, il a Gladys, mais demain, peut-être, il a peut-être, je ne sais pas, il a un tel. Non, il faut arrêter. Tu veux faire la force, tu veux faire la catcheuse à Kinshasa, ma soeur, c'est la catcheuse ici aussi. C'est ici, Kokoukou, il
en train de discuter avec elle, on dirait que c'est sa copine. On dirait une camarade de longue date. On dirait bah Yebana Kala. En plus, elle lui dit même aussi, hein, on s'en a dédicacé. Mais non, non, alors mon fou, on vous solo la nez, on vous sassaillé. Non, on vous sassaillé, c'est ça qui est gentil, gentil. Parce qu'aujourd'hui, comme la maman vient de dire tout à l'heure, tous on ne pas passer Gladys, elle en dit. Tous on ne pas aujourd'hui Gladys, elle n'a rien eu. Elle n'a pas, voilà, elle n'a pas de séquelles, elle n'a rien. Aujourd'hui, ce Gladys, elle voit sa vie. Tout le monde est solo la normal. Non, on n'allait pas parler normal. Les gens, oh, je suis Michel, non, je suis pas d'accord. Même la marraine, elle n'est pas neutre. Excuse-moi, Léa, franchement, il faut n'allober la présence du Cambo parce que ça m'énerve. Tu es une chroniqueuse, en plus, maman chroniqueuse, elle a raté. Oh? Maman chroniqueuse, elle a raté. T'as l'âge de ma mère, pour n'en a, franchement, t'es une maman, fondant en d'un coup, ça va dans le naïo. Qu'on sait qui chroniqueuse t'es. Non. En plus, on se compte, elle a fait Michel, on a été à l'aise. Attends, quoi, Gladys, on se sur la nappe, on coupe tout. Même pas, tu cherches à discuter avec Gladys, non. Yo, t'as qu'à bande quoi, Michel, t'as qu'à bande quoi, Michel, t'as qu'à bande quoi, Michel, mais non, et ça a raté. Et ça l'a raté. Ma maman chroniqueuse, elle a un calme. Là, une maman me colle comme ça, tu dis, oh, toi, en plus, déjà, quand t'es une chroniqueuse, il faut savoir parler, il faut être bilingue. Tu parles lingala, tu parles français. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire n'est pas que pour les Congolais, elle est pour toute l'Afrique. Mm-hmm. Tu n'arrives même pas à t'exprimer en français. T'es là, tu veux faire la meuf et tout, tu veux faire la go. Là, une grande maman comme toi avec des piercings à la langue, quel exemple là tu nous montres en fait. Eh, pardon. Là, franchement, il y a Naye la marraine, na Michel, parce qu'il y a le moko. En vrai, ma fouta qui est, pourquoi t'es la Michel? Mais oui. Franchement, pour c'est étonnant. Est-ce que Gladys a fait? Oui. Ce qu'elle a fait, l'acte qu'elle a posé n'est pas bon. Je suis tout à fait d'accord. Franchement, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne sait pas ce que Yemouba Naye Bissa qui est. On ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, ils sont malins. Les hommes, ils sont très malins. Quand il a besoin d'avoir quelque chose, il va venir te mentir. Il peut te dire que voilà, je suis peut-être en instant de divorce avec ma femme. Palanga Nalini la Mayo. Oh, Azo Bandako libéré. La fille à la quoi. Il n'est pas Pantani. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens, ils galèrent. Hein. Voilà. Et toi, t'es là, tu. Pardon, Yaya. Franchement, et puis c'est Nanakanda. Michel, en gros, façon, c'est Nafé, bah, pardon, elle est très hautaine. Elle est très hautaine, c'est pardon, ça se voit qu'ils ne sont même pas sincères. Akolo Bappé, Nazo Kinako Kendekin, elle croit qu'elle est toute. Elle parle toute confiante. On dirait qu'il n'a pas la maman, elle est. On dirait qu'il n'a pas dit la maman, elle est tout, il y a tata, elle est. Je ne sais pas, excusez-moi de l'expression, mais c'est trop. C'est trop, franchement, là, je suis très en colère contre Michel et sa famille. Sa famille dit, oh, bon, Libisaï, parce que Gladys, elle est vivante. Sauf qu'il y a Koufa qui met personne pour dire, mais Makamouana, Yaya, ton Issa, ça n'est pas être comme ça. Ça n'est pas être comme ça. Oh, ma famille, les familles, il y a Michel, les autres foutent à Gladys. Il y en a combien? Basso, c'est combien? Faut arrêter, s'il vous plaît. Votre soeur, elle a mal agi. Asmé, votre soeur, elle a mal agi. Bon, Bengelan, dès qu'on a dit, non, arrêtez de vous faire passer pour vous aussi des victimes chez la marraine. Et la marraine a posé pour son temps, c'est elle, Yakuyo Kabango. Non, pour maman, tu peux pas. Et on se sent là, on se sent ça, bango, pinza. On se sent ça, voilà, moko. Ah oui, t'es une grande maman comme ça, là, t'es là, son côté là-bas. Si tu fais quoi, tu charges du gaz. Baza quoi encourager yo et pas Clarita Bolingo Sukali, tante Nangai Florette Okudia Olungu, ma tante chérie Djemba Chocha, Bebia Babia. Donc baza quoi encourager, continue de parler après moi, je vais reprendre la parole tout à l'heure. Oui, Yaya, moi je suis pas d'accord. Franchement, je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous, comme je viens de dire, Yaya, tout le monde a Gladys. Est-ce que tu yébi ma camini balwana yébisa Gladys? Toyébité. Ça se trouve, il a dû lui dire oui, voilà, ceci, cela, moi je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi. Aujourd'hui, vous disiez que Gladys, elle est Oudjana. Mais Yaya n'a moko comme Nazala Bon, ouais. Je déteste les culottes. Et elle n'a été que moi, puis Nazala Rappé Oudjana, je l'assume. Et en plus, je viens de regarder tout à l'heure une émission de Adams Luzolo. À la qui c'est une vidéo que Gladys on a zaki na kale son aime mais balongo la qui est à moi avant ma bande à confiner. Oh. C'est du mytho, y a, c'est, oui. Et tout ça là,
c'est du mytho. Yen Michel Ango, je sais pas, elle a cru que à Kobi Soki Mohamed Ali, au Kobi Sila Batouba Meli, je sais pas. Ah ya on a pas, y'a ya comme elle est ici. Y'a ya plus fait tout ça les pédicos, pas fait tout quitter là, il fait tout bimiser les pédicos. Si vous voyez aussi, car on a samedi de Newana, je m'excuse, dit maman. Mm-hmm. Non, je ne suis pas d'accord. Franchement, je ne suis pas d'accord. Même la marraine, on a fond de l'air dans les pongi. Parfois, c'est que tu as un coca-cou, tout est à l'air dans les pongi. A dit qu'elle est live, les gens, les gens, les gens, qu'elle continue à raconter ces histoires de merde au lieu de venir raconter, au lieu d'aller à Coco Tamakambo et elles font partie près de Michel. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Température très, très élevée. Très élevé. Ah oui, non. T'es là, mon frère, t'as pas fini à mettre du choco. T'as pas fini à mettre du choco. T'es là, tu veux raconter des histoires. Tu veux Coco, t'es la Michel. Non, ça veut dire, y'en a Michel Boza, il copa moko. Y'en a Michel Boza, sac moko. Mais oui, je suis pas d'accord. Y'en a Michel Boza, sac moko. Parce que regarde, Yaya, toi, quand t'es comme ça. Tu, franchement, de toi en moi, Yaya, tu as pris la partie de Gladys. Parce que Gladys est une victime. À ta salle, Mate, Yaya, c'est une victime. Aujourd'hui, sauf que les personnes qui ont moi, Yaya, même moi, ma soeur, on aurait fait ça. On aurait fait ça à ma soeur ou à une de mes cousines ou je sais pas qui. Yaya, je te dis la vérité, mais je sais pas ce que la Michel. Dis-moi, j'ai juste une question à te poser. J'ai juste une question à te poser parce que comme on est en bilingue là, donc là, nous, on va fonctionner la langue française. Étant donné qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à parler correctement la langue française, nous, on va se la fausser des dents parce qu'on a grandi ici. En fait, dis-moi, oui. Quand tu perds une puce, tu es abonné, par exemple, chez Free, chez SFR, chez Bouygues Télécom, peu importe, oui. Hein, chez Orange et tout. Est-ce que lorsqu'on perd une puce ou un portable, tu la perds? Et quand tu demandes une puce blanche, en fait, tu récupères carrément ton numéro. Est-ce que tu penses que tu as la possibilité de récupérer les voices et les vidéos que tu as enregistrées ou pas? Non. Réponds-moi. Non, pas du tout. Ok, parce que la plupart de personnes me demandent, non, c'est possible et tout, mais moi, je me reviens à attendre l'opinion d'une autre personne. Parce qu'on parle la langue française, on ne parle pas lingala, t'es d'accord avec moi? Oui, t'es d'accord? Voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui, ma puce, toi, tu as perdu ton téléphone, on t'a volé, on te l'a piqué, peu importe. La façon dont tu as perdu ça, la façon dont tu as été dérobé. Est-ce que c'est normal que tu puisses récupérer tes anciennes vidéos? Est-ce que c'est normal que tu puisses récupérer les anciennes voices? Est-ce que c'est normal que tu puisses récupérer les textos et les images que tu as pu quand même filmer, capter ou bien dialoguer avec d'autres personnes? Explique-moi. Les images, tu peux. Les vidéos, tu peux. Merci. Après, les voices, je ne pense pas. Parce que moi, dernièrement, j'avais perdu mon iPhone. Mon iPhone s'est cassé. J'en ai acheté un nouveau. Et personnellement, tout ce qui était sur WhatsApp ou autre, j'ai tout perdu. Et d'accord. Sachant que je l'enregistrais tout le temps. Mm-hmm. Tout le temps, j'enregistrais. Tu allais sur le site iCloud et j'ai quand même tout perdu. Et là, tout le monde sont presque d'accord avec toi. Hein. Tout le monde sont presque d'accord avec toi. Il y a la marraine qui vient d'apparaître là sur mon live. Elle est directe, elle t'écoute en même temps. Donc, et pour toi... Je suis pas d'accord de son comportement. Voilà. Donc, je signale en même temps pour qu'on puisse dialoguer ensemble en famille. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Je suis pas du tout d'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es une chroniqueuse. Je sais pas si je vais dire une chroniqueuse, en tout cas. De qui tu parles? Est-ce que tu me parles à moi ou tu parles à la marraine? Parce qu'on est ensemble et là, moi aussi, j'ai des choses à la rapprocher, à le reprocher directement. Direct avec nous. D'accord. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Oui, elle est en direct avec nous là ce moment, oui. Comment elle agit? Parce que pour moi, elle prend partie près de Michel. Pour moi, parce que au jour d'aujourd'hui, Yaya, tu prends aussi Gladys. Tu appelles aussi Gladys. Tu as entendu aussi Gladys. Toi, tu n'as entendu que Michel. Continue à parler, hein. Continue à parler. La famille de Gladys, tu parlais avec d'autres personnes. Mais même de quoi, Michel Bazin, ceux qui sont avec qui tu as discuté. Non, on n'est pas d'accord. Pour moi, tu prends parti pris. Pour moi, tu prends parti pris de Michel. Ça veut dire que tu es dans le même sac que Michel. Tu es d'accord de ce qu'elle a fait. Franchement, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est une maman, elle doit être neutre. Il faut être qui m'aime. Pour moi, c'est une maman. Et il faut, comme j'ai dit, Yaya, il faut même pas qu'elle laisse le temps de Michel. On a coûté à Yaya pour le voir. Peut-être Yaya, il faut qu'on fasse ça. Il faut vraiment Yaya, ça y est. À côté qu'elle écoute tout le temps, t'écoutes à l'ouba. Comme c'est pardon qu'elle a pu demander. C'est hypocrite. Elle est très hautaine. Elle est mal polie. Ça se voit déjà. Voilà. Franchement, moi, je ne suis pas d'accord de ce qu'elle peut faire. Franchement, je ne suis pas du tout d'accord. Comme on dit, liberté d'expression, si elle n'est pas contente, c'est tant pis pour elle. Parce que quand tu rentres dans le monde du net, il faut.
Ok. Donc, parce que j'ai quelqu'un d'autre en ligne, en fait, entre deux, comme d'accord. J'avais mes enfants qui m'ont appelé. Donc, là, on va parler que la langue française. Je pense que je t'avais précisément dit comme quoi qu'il y avait la marraine hein, sur mon live. Oui. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donne-nous. C'est ma soeur que j'aime beaucoup. Mais il y a des choses où, quand ce n'est pas un ami, c'est un ami. Voilà. Donc, la marraine, c'est quoi? C'est la personne qui t'aide à Attends, ma grande. Attends, je fais passer quelqu'un d'autre qui veut parler là, s'il te plaît. Et après, tu peux donner. Hein? Je vous laisse les deux, vous, tous les deux, en train de parler là. Allô, bonsoir, madame. Allô, bonsoir. Oui, on vous écoute. Vous venez de m'appeler. Parce que j'ai vu que la marraine est en ligne, j'ai envie d'intervenir un peu pour la marraine. Donc, j'espère que, parce que je vois que des fois dans ces émissions, elle a du mal à s'exprimer en français. On s'en fout, c'est pas notre langue c'est en lingala. Mais j'espère quand même que ce que je vais dire ici, elle va vraiment me comprendre. Je m'exprime en français, malgré que lingala c'est notre langue, parce que cette affaire-là, c'est devenu, c'est pour tout l'Afrique au fait. Donc, par rapport à ceux qui ne comprennent pas lingala. La marraine, hein, j'ai suivi ton intervention, t'as reçu la fameuse Michelle dans ton Attends, je vais ajouter. Attends un instant, non, mais je peux pas, la personne a appelé carrément. S'il vous plaît, veuillez rappeler parce que là j'ai quelqu'un en ligne. La personne qui appelle, veuillez rappeler s'il vous plaît. Je peux pas interrompre. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Voilà, tant que maman, tant que femme, la marraine, j'ai pas apprécié l'intervention, enfin ton émission par rapport avec la fameuse Michelle. Tu es une maman, parce que quand on te voit comme ça, tu as quand même un certain âge avancé. Imaginez que Gladys, c'était ta fille, c'était ton enfant à qui on avait fait ça. La marraine, je ne pense pas que l'homme avec qui tu es dans cette maison, avec qui tu as la maison là, ce soit ton premier homme. Parce qu'une fois que tu es passé à une émission, tu as dit que tu as déjà eu un enfant au pays, que l'enfant qui réside à Braza, bref, on n'est pas là. C'est pour dire que l'homme avec qui tu étais là avant, si tu t'étais battu avec certaines femmes, si tu avais blessé certaines femmes en croyant que l'homme là c'était à toi, aujourd'hui qu'est-ce que tu fais dans ta maison avec un autre homme? On ne connaît pas l'avenir. On peut croire que le mariage dans lequel on est, que c'est pour le bon, mais le lendemain appartient à Dieu. Toi, tu laisses le temps à Michel de participer dans ton émission. Je veux bien, là où il y a deux personnes, même dans le tribunal, on écoute les deux. Même quelqu'un qui a tué, on lui donne la parole. Mais la façon que Michel avait de prendre la parole dans ton émission, c'est comme si vous deux vous êtes parlé avant. C'est comme si tu étais d'accord avec elle. Et puis, à la fin de ton émission, tu lui demandes de dédicacer. Non, mais attends la marraine. Voilà. Même si ce n'est pas ton don, même si tu n'as pas fait les études pour ça. Oh, elle parle bien français. Hein? Merci beaucoup pour la langue française. Merci. Hein? Voilà. Vous avez vrai. Merci. Je pense que quand on est dans un tribunal, que quelqu'un a tué quelqu'un, ou quelqu'un a volé, ou quelqu'un a menacé quelqu'un, à la fin, le juge va lui dire, non, dédicace les gens qui sont au tribunal avant de partir. Non, mais attends, mais c'était quoi ça, la marraine? Même si on ne connaît pas le métier dans lequel on admerge, mais il faut apprendre certaines choses. Tu ne peux pas lui dire dédicacer. Ça. Elle n'était pas là pour dédicacer. Et puis quand elle demande le pardon, la marraine, non, il faut qu'on reprenne ton émission. Des fois, quand on fait l'émission, quand tu as fini ton direct, des fois, il faut te re-regarder. Tu comprends? Parce que nous, quand on prend notre temps pour participer dans les émissions. Excuse-moi, parce qu'il y a une personne qui demande pourquoi vous vous attaquez. Excusez-moi, madame. Il y a une personne qui demande, Esther Rodriguez, qui demande pourquoi vous vous attaquez à la marraine. Je ne pense pas qu'elle te donne une impression. Cette impression-là. Voilà. Voilà, on n'attaque pas la marraine. On est en train juste de corriger les choses. Oui, tout à fait. On ne peut pas. Ah ben oui, ça c'est sûr et certain. Moi je suis pas fan pour venir demander à l'autre Michel la connasse là, en disant comme quoi que non, vient dédicacer cette personne. La personne qui est à tort. Attends un instant, attendez madame. Excusez-moi, je vais faire entrer une troisième personne. Allô, oui, bonsoir messieurs, je vous fais entrer. Oh là. Attendez, c'est chaud, il y a une quatrième personne, je vais faire entrer l'appel en même temps. Patientez deux secondes, s'il vous plaît. Je fais entrer le quatrième appel. OK. Oui.
Je pense que c'est bon, vous êtes quand même trois en appel. Hein? Allez, vous pouvez quand même parler un petit peu, oui. Je peux parler, madame? On vous écoute, messieurs, on est aux hommes. En fait, je viens de suivre la dame qui a parlé tantôt là. Oui. Et je partage vraiment son point de vue. Elle est juste, elle vous écoute en même temps, elle est en ligne avec vous, oui. Il ne faut pas prendre cette histoire à la légère. Oui. Parce que c'est toute une vie, d'une fille, d'une femme qui est privée. Tout à fait. Et c'est parce que nous, les Noirs, peut-être nous avons un moral fort. Ouais. Mais si c'était des blanches, c'est facile qu'elle puisse se suicider. Mais oui. Parce que ces images-là sont restées pour la vie. Il y aura des gens qui vont regarder ces images-là, qui vont le garder pendant des générations et des générations. Donc c'est toute une vie qui est prisée. Donc c'est une histoire à ne pas prendre à la légère. Alors, j'ai suivi dernièrement, il y a un pasteur Patrick Kobané qui a parlé de l'intégration. Mais madame, ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on est intégré. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on est devenu intelligent. Hein? Les gens qui sont venus en Europe vers les 60, 70, 80, hein, on les a appelés les évolués parce qu'ils ont étudié. Donc ils sont venus en Europe et ils ont étudié. Nous, nous venons en Europe, nous ne voulons pas étudier. On veut transporter la vie des Kinshasa ici en Europe. Et voilà les conséquences. Donc, une femme qui vient d'Europe, elle va à Kinshasa et elle s'est méconduite plus que même que ceux qui sont restés à Kinshasa. Alors, à quoi t'a servi l'Europe? À quoi t'a servi l'Europe? Ça, c'est une honte, c'est une honte. Donc, ne prenez pas cette histoire-là à la légère. Oui. Et le comble en est que les Congolais, nous ne tirons pas des leçons du passé. Une même histoire s'est passée au Canada, je crois. Hein? Attends, oui, bien sûr, oui, oui. 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 C'est la même histoire qui s'est reproduite quelques années après et toujours dans notre communauté. En plus, c'est à reprocher. Tant mieux reprocher votre mari. C'est votre mari qui est allé chercher la fille. Donc, ce n'est pas facile, madame, cette histoire. C'est très grave. Parce que ça, c'est tentative de meurtre avec séquestration. Et je dirais que c'est une bande de criminels. Parce que il y a eu des gens qui ont assisté sans intervenir. Messieurs, excusez-moi, parce qu'en fait, j'ai du monde qui attend. En tant qu'un homme, je pense que la plupart de femmes vous respectent. Mais là, je n'ai pas vraiment beaucoup le choix. Il faut que vous essayiez un petit peu de vous résumer, s'il vous plaît, de résumer un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux femmes, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Donc, à résumer, c'est une chose à condamner et aller jusqu'au bout pour que ça ne se reproduise plus dans notre communauté. D'accord. Et pour vous donc, Michel, est-ce que Michel doit aller en prison ou pas pour payer les actes? Madame Blandine Osako, j'aimerais bien conclure aussi, si ça ne vous dérange pas. Oui, on vous écoute. Je vais juste interpeller les gens qui vous suivent pour dire que cette fille-là, Michel, ce n'est pas la première fois avec sa bande. Elles ont déjà eu à se déplacer de la Belgique ici à Paris pour menacer Brigitte Seka. Cette histoire-là, c'est une histoire vraie. Oui, tout à fait. Bon, je voulais en parler, tu m'as dévancé, mais tu peux en parler aussi. Oui. La Brigitte Seka est en vie. Elle connaît de cette histoire. Qui est actuellement la femme légitime de Didier Lacoste, mille esprits. Voilà. Donc, c'est pour dire que si aujourd'hui. Elles ont dérobé des. Elles ont volé, c'est des voleuses, des braqueuses. Si on laisse passer cette histoire-là, elles vont recommencer. Elles vont continuer. Donc, elles sont en bande, elles ont l'habitude d'agir comme ça. Elles sont déjà venues ici à Paris menacer Brigitte Teka. Et malheureusement, Brigitte Teka n'était pas dans sa maison, il y avait sa fille. Elles ont menacé sa fille, elles ont mis sa maison au-dessus, en dessous. Donc c'est pour dire que c'est une femme criminelle. Mais ma chère Michel, si tu es si forte que ça, pourquoi tu agis seulement en groupe? Pourquoi tu ne vas pas toute seule? Parce que l'homme là avec qui toi tu couches, je ne pense pas que l'homme là couche avec toute ta bande là. C'est avec toi seule qui couche. Donc c'est pour dire que si tu vas agir, si tu es vraiment forte comme tu le prétends, il faut aller seule. Il faut aller trouver les personnes seules. Maintenant, la morale dans l'histoire, c'est pour dire, dans la vie, il y a des hommes qui sont polygames.
Même si on prend la Bible, parce que la Bible, c'est l'exemple que nous, c'est le seul exemple qu'on a pour vivre sur cette terre. C'est le seul exemple que Dieu nous a donné. Donc, cette Bible-là, on voit qu'il y a des hommes qui sont polygames. Et une femme sage qui bâtit sa maison, la femme sage dont on parle, parce que nous, tout aujourd'hui, là, on n'a pas cette sagesse-là en couple. C'est pour ça qu'il y a des divorces, il y a des femmes qui supportent, il y en a qui ne supportent pas. Parce d'accord. Chacun sait comment mène son couple. D'accord. Merci beaucoup, madame. On laisse parler quelqu'un d'autre qui est en attente, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse quand même résumer la situation, parce qu'elle a d'autres choses à dire. Pour conclure, je vais juste interpeller les femmes qui courent après les rivales. Oui. Il y a des hommes polygames. Merci. Il y a des hommes qui sont polygames. Oui. Donc, quand vous mettez avec un homme, posez-lui la question s'il est polygame ou quoi, avant d'aller attaquer votre semblable, la femme. Merci beaucoup. D'accord, entendu. Merci beaucoup. Merci. Donc, on t'écoute, madame. La personne qui vient d'appeler, si c'est possible que vous rappelez le même numéro, ça m'arrangerait, s'il vous plaît. En attendant, je vais passer notre concert qui est en ligne avec nous. Yolande Manoua Kumalelo, bonsoir à toi. Nandinga Bruxelles. On vous écoute, mademoiselle. Allô? 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 Oui, on vous écoute, mademoiselle. On vous écoute. Oui, comme... Sœur, elle a pu dire tout à l'heure, elle a tout à fait raison. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'homme qui est condamnable. Ce n'est pas Gladys, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui est parti chercher Gladys. C'est l'homme qui a embobiné Gladys. C'est l'homme qui a menti à Gladys, qui l'a baratiné, tout ça. On ne peut pas se permettre au jour d'aujourd'hui de condamner la fille. C'est l'homme. Si elle avait un problème, si elle avait un souci à résoudre, c'est avec son mari et non Gladys. D'accord. Juste en plus, tu lui dis, écarte tes jambes, je veux rentrer le stylo. Mais tu es sérieuse? Si on t'aurait fait cette chose-là, est-ce que tu serais là en train de rigoler, en train de passer des interviews et tu es à l'aise? Bonsoir. Oui, on t'écoute, mais continue parce que je viens de reprendre notre coup de fil, oui. D'accord. Oui, non. Si on aurait fait ça même à une de ses sœurs, attends, est-ce qu'aujourd'hui elle est en train de parler? Non, voilà. Pour moi, je ne suis vraiment pas d'accord, je n'adhère pas à des choses pareilles. Franchement, la Michelle, là, doit être vraiment condamnée. Elle doit vraiment être condamnée. Comme je viens d'entendre qu'en plus, c'est même pas la première fois qu'elle fait ça. C'est-à-dire qu'elle a l'habitude d'aller chez les gens, faire des guet-apens, voilà. Parce que comme elle se voit qu'elle, elle est forte, elle est au-dessus de tout. Eh bien, elle sache au jour d'aujourd'hui, ben, sa carrière, elle est finie. Sa carrière est finie parce que quand même, j'étais étonnée à parler de ça. J'étais très étonnée comment tu peux quitter la Belgique pour venir directement au domicile d'une personne. En sachant, peu importe, un homme restera toujours un homme, on s'en fout complètement. On vit en Europe, lorsqu'un homme te trompe, ou tu as le choix de rester avec, ou tu la dégages de ta vie. Ça, c'est clair et net. Mais la Michelle essaie de débarquer avec Popo pour venir s'occuper de Brigitte et Carla. Et Brigitte était accompagnée de sa seule fille, au moins Brigitte, elle a des enfants. Mais qu'est-ce qu'il faut en dériver là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut conclure là-dedans? Donc, c'est une coulounaire, Michel. Moi, je ne suis pas d'accord, Michel, elle est coulounaire. C'est une personne qui est saisie quand même d'être clouée quelque part, de répondre à ses actes, parce qu'elle menace les gens. Tu es qui pour menacer les gens, Michel? Tu es de même origine que moi, je m'en tape complètement. Tu dois répondre à tes actes. Là, je parle la langue française, je ne parle pas lingala, je ne parle pas tétela. Mais je parle français, tu dois répondre à tes actes. Tu te crois qu'on était à l'époque de Kabila? Moi, je suis désolée, je ne pense pas que les deux consoeurs qui sont là, en live, et la plupart des personnes qui nous suivent en ce notre moment, sont d'accord avec tes actes. Michel, tu dois répondre à tes actes, ce n'est pas la première fois. Tu es une fille mal reputée. Et quand tu es une fille mal reputée, ça veut dire que tu dois répondre à tes actes, point. Attends, il y a quelqu'un. Allô, ma soeur. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle de Dublin là. Si c'est possible qu'elle puisse intervenir, deux secondes. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Vous êtes en live, s'il vous plaît. La marraine, là, on ne sait pas si on lui a donné de l'argent parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est du n'importe quoi. Elle est du côté de la famille des criminels.
Elle fait voilà. Partie des tantes, je sais pas, des petits frères, des petites sœurs de Michel, qui est la criminelle. Elle fait passer ses soeurs, ses grandes soeurs, toute sa famille. Mais ça veut dire quoi? Vous foutez des gens au comment? La Marina, tout le monde vous suit. Le problème, là, c'est un problème international. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Elle est du côté de Michel. Michel, là, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle se prend pour une boxeuse. Non, elle doit être condamnée. À quoi il n'a pas voulu la mabé? Parce que Dieu n'a pas voulu que cette affaire-là, que Batobaye est bangoté. C'est Dieu qui l'a exposé. Parce que à ça, mon Tobitumba, comme toi tu es comme ça, il faudrait qu'on t'arrête. Et toutes les personnes qu'elle avait agressées doivent aller reporter plainte. Pas qu'elle ne pas qui ça va plainte. Comme ça, elle qui se dit que non, je vais aller à Kinshasa, je vais aller à toutes les personnes qui l'a agressée avant, ces personnes-là vont aller rajouter les plaintes. Et elle qui croit être la tuée, je ne sais pas quoi, elle va répondre à ce qu'elle a fait. Et elle va payer toutes les personnes qu'elle a offensé à l'époque, parce que cette affaire ne dure pas d'aujourd'hui. Il y a même 10 ans passés, il y a des gens qui ont témoigné, 10 ans passés, 10 ans en arrière. Ils ont blessé des gens, c'est une famille de Koulouna, carrément une famille de Koulouna, parce que moi je ne peux pas comprendre aujourd'hui ma grande. Merci pour les faux comptes, bravo. Les faux comptes, je vous aime, je vous admire beaucoup. D'accord. On s'en fout des faux comptes. Voilà, il y a les faux comptes, là on est en train de parler autre chose. Est-ce que vous pensez que moi je peux être contre la Marina? Moi, je suis sa petite sœur, elle me connaît très bien. Mais lorsque je dis non, c'est non, oui, c'est oui. Elle a déconné, je la ramène à sa place et je la remets à sa place. Point barre. Oh. Elle, si on ne sait pas si elle a bouffé de l'argent, on lui a remis de l'argent à cette famille-là pour qu'elle se permette même à faire passer cette Michelle-là, mais ce n'est pas possible. La Michelle-là, elle n'arrivait même pas à s'exprimer. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me laisser quelques minutes, s'il vous plaît, que je puisse intervenir là-dessus? Oui, ma soeur, excuse-moi, je sais que tu habites loin, à Dublin, Bénin. Excusez-moi, laisse-moi 2 minutes, hein, je vais expliquer un petit peu les choses. Je vais recadrer les choses pour que tout le monde en essaie de se comprendre. Moi, je ne suis pas contre la Marina. La Marina, c'est ma soeur que j'aime beaucoup. Hein. La Marina, je l'apprécie beaucoup. Je suis contre ses actes, contre le propos qu'elle a tenu, contre sa façon, elle s'est positionnée d'un côté où elle n'avait pas raison, elle avait tort. Et moi, j'assume le propos que je sors de ma bouche, je les assume. Au jour d'aujourd'hui, la personne qui appelle peut rappeler, s'il vous plaît, parce que là, je suis en train d'expliquer quelque chose. Je pense qu'avec tout votre respect, sans vous, je ne suis rien. Blandine Osako, elle n'est rien devant vous. Je suis juste une chroniqueuse, une journaliste qui apprend du jour au jour. Et lorsque tu ne connais pas quelque chose, lorsque ça te dépasse la tête, la Marina, envoie la Michelle la question chez quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience. Envoie la Michelle chez quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience. Moi, je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas la demander. Genre, tu peux dédicacer? Non, on n'est pas là pour l'aimer, on n'est pas là pour la plaindre. On est là pour la dire de respecter et puis d'assumer ce qu'elle a fait et de s'excuser. Tu n'es pas là, la Marina, pour la supplier de s'excuser. On n'est pas à l'époque du Kabila, monsieur le Kabila, monsieur Kabila. Tous les kabilistes sont partis. On est à l'époque de monsieur Félix Tshisekedi. Et que Michel doit répondre à ses actes. Et qu'elle doit payer ce qu'elle a semé. Elle a semé, elle a humilié une personne. Elle a humilié une femme devant tout le monde. Dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les WhatsApp, Imo, Viber, tout. Elle a humilié une femme. Et comme elle a humilié une femme, la Marina, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, certes, tu peux inviter quelqu'un. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous rappelle dans 5 minutes, s'il vous plaît. Parce que là, je suis très en colère. Depuis hier, les gens m'ont demandé de faire une vidéo. Moi, je me suis calmée. Je me suis dit, bon, je sors du travail et tout. Je ne suis pas contre Michel. Mais je suis contre l'acte qu'elle a commis. Vous êtes d'accord avec moi, les filles? Parce que c'est pas une première fois qu'elle a fait ça. Ok, je vous laisse parler. Si elle n'est pas arrêtée, elle va recommencer. Tout à fait. C'est ça. Merci. 10 ans passés. Donc, elle, dans sa famille, comme c'est comme ça, elle ne sent vraiment jamais. Non, mais vous allez couper la personne qui parle. Oh là. La personne qui insiste, elle va couper la personne qui parle, ça sert à rien. Alors, tu peux continuer à parler, s'il te plaît? Oui,
Continue à parler. Allô? Allô, Yaya. Oui, Ernest, ok, c'est bon. Là, ok. Attends, benga ce que parce que na muto azolo banayo azana WhatsApp la marraine. Benga na numéro mususu pobo solanaye. OK, yeah. Il y a la marraine qui est en ligne en même temps, d'accord? Donc il y a la marraine qui est en ligne avec vous qui va quand même parler. Moi je ngana kata mutu téléphone té, hein? Mutu nanso azana droit toute personne a droit de parler de s'exprimer. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à la manière dont elle a procédé avec Michel. C'est comme si elle la suppliait. C'est comme si elle se tenait à genoux. C'est comme si elle a mangé. Voilà. Elle est du côté de Michel. Bon côté, à Salimabé. Il n'y a pas, en ce moment-là, ils ont un conseil à couper ça à Michel. Michel, c'est un conseil de Mokakara qui est de prison. Quelqu'un qui passe na direct avec arrogance. On n'a jamais. Oh là là. Bon, je laisse une personne. Allô, Nayambala Marina, hein? Toi tu parles aussi si tu as des choses à dire, d'accord? Ok. Bon, là j'ai coupé, il y a le WhatsApp. Allô? Allô? Oui, numéro de WhatsApp, Yanni. Mais problème, mes attes la Marina, parce que numéro à WhatsApp, le quoi azo bengana WhatsApp à Libanda, bato baza mes comptes. Mais yo le banayo na tie en attente, le banayo. Allô? Oui, allô, Blandine. Oui, la marraine, bonsoir. Oui, bonsoir, Blandine. Bonsoir. Ok. Bon, meilleur vœu, hein, ma chérie, meilleur vœu. Donc, il y a la plupart des femmes qui sont un petit peu énervées. Oyoki Bango depuis, hein? Oyoki Bango. Allô, la marraine? Oui, allô, Blandine, bonjour. Bonsoir, Kitty, sa volume, Kitty, sa volume, na on a live, si c'est mieux, s'il vous plaît. Allô? Allô, la marraine? Oui, on l'entend. Oui, on t'attend très bien, la marraine, oui. Oui, c'était avant-hier. Oui. Elle m'avait appelé même, c'était vers 7h du matin. Quand elle m'a appelé, j'ai eu le téléphone, elle m'a dit que la marraine... Oui, vous m'écoutez là? La marraine, problème, Zali, que téléphone nous ezozonga deux fois. Oui, Luka Mutaza Pemeli nayo akata penobi atia écouteur. Ce qui vient Mutazo Yoka live atia écouteur, si c'est monsieur, s'il te plaît. Ah d'accord, donc là je vais déplacer. Deux fois. Oui, oui. Batu bazo réclamer balobi bazo yoka yote. D'accord, comme ça la zone est commencée alors. D'accord, merci. Voilà, allô, Binonyo Sobatu Obalandingaï. Donc, vous voyez un peu. Attendez, je laisse à notre compatriote qui a appelé de loin quand même. Allô, ma soeur. Aïe. Allô? Oui, allô? Oui, la marraine, bonsoir. Oui, là, vous m'écoutez, bien? Oui, oui, là, ça va mieux, oui, merci. Comment donc, Azote, on a double appel, je m'énerve, ça m'énerve ça. Zela Mouke, la marraine, Zela Mouke, allez hop. Zela Mouke, s'il te plaît. Zela, n'a déconnecté Moutoumoko. Hein? Parce que là, il y a Kati, pareil, mais il y a une zone à deux fois, mais en fait, il y a une zone à deux fois. Ça y est, en fait. Ok. On t'écoute, allô? Oui, oui, là, c'est bon. Je salue tout le monde. Oui, bonsoir, la marraine. Oui, quand les gens ils disent que la marraine, elle prend près de Michel, d'abord, ça me fait mal. Trop mal, même. C'était avant-hier, j'ai dormi. C'était vers 7h du matin que mon téléphone a sonné. Je me suis réveillée, je regardais sur le téléphone.
J'ai vu, il y avait un numéro là de prix faible. J'ai décroché. Il y a une dame qui me dit, la marraine, c'est moi, Michel. J'ai dit, quel Michel? Elle m'a expliqué que la marraine, je veux faire une vidéo avec vous. Vous m'écoutez bien, ma belle? Oui, on vous écoute, la marraine. Tout le monde t'écoute. Elle m'a dit que ma belle, je veux faire une vidéo avec vous. J'ai dit, d'accord. Comme ça, je vais me préparer. On va faire les lives. Je me suis préparé. J'étais même vers 10h, 11h comme ça. Je suis connecté. On a fait les lives avec eux. Moi, chez moi, quand quelqu'un y passe sur les lives, elle est libre de s'exprimer. Je sais que ce que Michel a fait, ce n'est pas bien, c'est condamnable. Je le sais bien. C'est condamnable. Mais elle est libre de s'exprimer. Je l'avais dit, Michel, tu peux tout dire. Tout le monde, il t'écoute. Parce que chez moi, c'est le public. Moi, je compte sur mes publics. C'est le public qui te suit. Et puis, tu vas regarder les commentaires que le public, ils vont écrire. C'est ça. Ce n'est pas moi de te dire, Michel, ça, ça, ça. Mais il y avait des questions que j'ai posées à Michel. Elle m'a répondu. À la fin de l'émission, j'ai dit, Michel, si tu connais même des gens, tu peux même dédicacer même deux ou trois personnes. Même aujourd'hui, bientôt là, je vais recevoir aussi Gladys. Ça sera pareil. Ah la marine. J'étais avec Maman Pouloutou de Gladys. Elle est parlée, elle est libre. Chez moi, quand quelqu'un parle, elle est libre de s'exprimer. Ce n'est pas que la marraine, comme elle a reçu Michel, c'est que Michel, elle a donné l'argent. Combien Michel, elle va me donner? Combien elle va me payer? Combien? Combien elle va me payer? Avant de dire des choses, il faudra d'abord réfléchir. Moi, la marraine, des fois, je suis un peu comédienne. J'aime faire rire les gens. Des fois, quand je passe, je parle un français là, je fais des choses là pour que les gens, quand même, puissent rigoler un peu. Mais je fais des gros études. C'est ça. C'est pas que la l'histoire, marina, c'est même pas ça, en fait. L'histoire, c'est même pas ça, maman. L'histoire, après, c'est que. Allô, la marraine. La vie passe chez toi. La marraine. En fait. Si Michel, elle est au tribunal, elle va s'exprimer. Mais c'est comme si, maman, aujourd'hui, quand toi tu parles avec elle, c'est comme si tu la faisais passer un peu au tribunal. Tu sais, comme tu ne peux pas lui demander de dédicacer, ça ne se fait pas. Je suis pour Michel, mais non, quand même. Soyons corrects. Soyons corrects, quand même. Attendez un instant, la marraine, à deux secondes, parce que je pense qu'il y a du monde qui ont besoin d'avoir ton opinion, de parler avec vous. Alors, on vous écoute. La marraine. Est-ce que c'est possible de laisser, il y a deux personnes qui ont besoin de te poser deux, trois questions. Permettez-moi de répondre à la marraine. Excusez-moi. Permettez-moi de répondre à la marraine. Déjà de 1, la marraine, je suis désolée. Je suis désolée pour vous. Quand on fait une émission, quand c'est vous l'animatrice, c'est vous qui dirigez votre émission. Par exemple, là, on est ici chez Blandine Osako, c'est elle qui dirige, c'est elle qui voit. Elle dit bien qu'on n'est pas là pour insulter, on est là, elle a donné le thème de l'émission. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire que chacun quelque part chez vous et est libre de dire ce qu'elle veut. Non, mais attendez, la marraine, vous regardez pas. Non, écoutez-moi, peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Tout ça. C'est inacceptable. Franchement, pour moi, la vie de live avec Michel, il a été mal fait. Il a été vraiment mal fait. Il est inacceptable. On ne dit jamais, parce que aujourd'hui, on ne peut pas. Attends, laisse-moi parler, ma grande. Hein. Après, tu vas clôturer. Il est libre de s'exprimer. Non, ben, moi, je vous réponds. Parce que
franchement, les insultes ne passent pas. Mais c'est non, mais dans ce cas-là, excusez-moi la marraine, je vous apprécie beaucoup, mais il faut enlever le mot libre de Dieu, tout ce qu'on veut. Oui, enlever cette phrase-là. Oui, je vais le réduire. Je vais le réduire. Merci beaucoup, ma maman. Mais je vais vous dire un truc, ma maman. Je vous aime beaucoup. Je vous prie aussi. Aujourd'hui, je ne vous dis pas, je pêche. Mais je vais vous dire un truc, la marraine. Je veux bien que vous soyez un peu comédienne. Parce que vous êtes une maman que j'apprécie beaucoup. Mais chaque émission a son importance. Là, on n'est pas dans une émission de dédicace. Là, on n'est pas dans une émission. Oui, voilà. De faire un peu de rigolade. Là, on est dans un truc où si aujourd'hui Gladys était morte, on n'allait pas dire tout ce qu'on dit aujourd'hui. Moi, le point, je voyais que je suis Gladys. Non, je n'ai pas dit que vous êtes contre la marraine. La marraine, je n'ai pas dit que vous êtes contre ma maman. Avec son avocat. Voilà, la marraine, avec tout le respect, je vous dois. Je n'ai pas dit que vous êtes contre. J'ai dit seulement, chaque émission a son importance. Il y a des émissions qui sont sérieuses, il faut mettre du sérieux. Il y a des émissions où des fois il faut rigoler. Mais je te Mais elle était très arrogante. C'est vous qui dirigez votre émission. Cette fille-là, elle était très arrogante, très hautaine. Là, le baron a dit gala, avec un peu le fou, mais ma belle, sauf si on a dit, tiens, pas comme un docat aillé. Rose, là, yo, maman, aux autres, nous, sous la vie, nous sommes en époque avec une émission de Vanel Cotin, à l'époque, dans notre pays, le Congo, Kinshasa, les Haïti. Il y avait des mamans, vous êtes un peu cet exemple-là de maman. Ça veut dire que même si elle sortait du cadre, c'était à vous de la créer, de la revenir, de la faire voir un peu la gravité de la chose. C'est là que moi je viens intervenir. La gravité, on s'en fout. On peut dire qu'en quelque sorte que l'homme de quelqu'un n'est pas. Moi, ce que je voulais, excuse-moi de vous couper un peu la parole, ce que moi je voulais, c'était que Michel devait demander le pardon quand même au public, à toutes les mamans, pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a fait. Parce que ce n'était pas pire, c'est condamnable. Oui, vous mais voyez que le pardon, son pardon, oui. C'est pas le moment de dire, c'est pas le moment de demander pardon. Non, non, le pardon. Le pardon n'était pas nécessaire. Elle dit un pardon à la hâte comme ça. Lui, vous êtes ma mère, voilà, il faut d'abord qu'elle réalise ce qu'elle a fait, avant qu'elle demande pardon. Je vais bien, parce que nous, si nous on dit qu'on n'a pas péché, on va, moi, je vais lui jeter un caillou parce que je suis pécheresse. Oui, oui. Mais il faut d'abord réaliser ton péché. Il faut d'abord réaliser l'acte qu'elle a fait. Quand elle va commencer à réaliser, parce que ce n'est pas ta première fois. Est-ce que la marraine a dit tu sais, que le même bande de filles là sont déjà venues ici à Paris pour menacer Brigitte Eka? Donc là, ce qu'elle vient de faire, ce n'est pas sa première fois. Elles ont menacé la fille, un enfant, le public qui nous suivait. Cette Michelle-là est déjà venue ici à Paris avec Coco. Heureusement, ces jours-là, malheureusement pour la petite, sa maman n'était pas là. Elles ont eu à menacer un enfant, la fille unique de Brigitte Eka. Vous comprenez là? Moi, je vais dire à toute la marraine aujourd'hui. Moi aussi, j'étais déjà rivale avec Brigitte Eka. Je ne crois pas sa partie, c'est dans notre passé. Aujourd'hui, l'homme en question n'a épousé ni Brigitte ni moi. Imaginons si on s'était battu pour cet homme-là, qui épousait aucune de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, là, Brigitte et moi, on s'est dit pour nous. Attendez, je vais faire entrer quelqu'un d'autre qui a insisté, mesdames. N'a pas de samoutoumoussous, hein, parce que, ah oui, ils ont droit d'expression. C'est la première fois. Donc aujourd'hui, quand elle passe devant le monde entier, devant tout l'Afrique, elle dit que je vais descendre à Kinshasa. Elle veut montrer comme si notre pays, c'est du moins que rien. Il n'y a pas de justice dans notre pays. Il y a... Non, non. Elle doit réaliser ce qu'elle a fait là. L'homme avec qui elle est là aujourd'hui, la Tony. La marraine, vous êtes notre maman. Où tu as déjà vu un mariage qui se consomme, la femme en Belgique, l'homme là en Kinshasa. Ah, bien sûr. C'est toujours des mariages qui se consomment comme ça. L'homme là va rester, le temps qu'elle s'organise, qu'elle coûte l'argent pour payer le billet, pour aller pour faire le valise de l'homme, pour aller régner là-bas. Donc l'homme là va rester comme ça. Il y a des hommes qui sont polygames. Il y a des hommes, aujourd'hui, nous les femmes, on doit apprendre à nous respecter entre nous. Même si moi, je sors avec ton homme ou tu sors avec mon homme, nous tous on est trompés. Même moi qui vous parle, je suis trompée. Mais si quelqu'un reconnaît ma voix et que dit aujourd'hui que je suis déjà partie chez elle, ou j'ai déjà fait comme ça, peut-être dans ma jeunesse, mais pas me battre. Oui, qu'on soit, ça nous arrive entre nous les femmes de se disputer pour les hommes. Mais là, nous, c'est la fait, moi, je ne peux pas. Je ne sais pas. Personne n'est avec son homme aujourd'hui. Là, vous avez raison, ma belle. Mais vous savez, quand on fait l'émission, mais je ne devais pas commencer à dire que Michel, il faut dire ça.
Pourquoi tu as fait ça à Gladys? Parce que ce n'est pas bien. Hein? Ridiculiser une dame comme toi. Je l'avais demandé ça. J'ai dit tout le monde. Ils ne sont pas contents. Il y a... Allô, mesdames, bonsoir. Mesdames, il y a quelqu'un d'autre qui vient d'entrer. La marraine. La marraine, Moutoumoussou, ça a coté. Boyo Kaenanou. Allô, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, madame. Ou monsieur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, excusez-moi, je vais essayer de parler en français. C'est pas très bien mon français parce que c'est pas ma langue maternelle, mais je vais essayer de parler. Bon, allez, Vous allez vous tuer pour rien. C'est une histoire que c'est déjà fait. Vous voyez des adresses, il y a Michel. Voilà. Pourquoi vous avez gagné dans le téléphone, la marine, la sotinale. Vous êtes dans la Belgique, vous êtes dans le moi, c'est vous voyez des adresses, ça ne sert à rien de crier, c'est ça, tous les jours, la même histoire. Vous êtes dans la moi. Hein? Madame, en fait, madame. Vous parlez en français parce que hier, il y a tout. Madame. Oui, madame, excusez-moi, madame, bonsoir. Allô, madame, vous m'écoutez ou pas? Vous m'attendez? J'écoute, oui. Ok, merci beaucoup pour l'intervention. Déjà, je suis très polie de vous faire passer sur mon live de 1. Et de 2, ce n'est pas un live où il y a trop de disputes. On est en train de se partager les opinions. Chacun a son opinion. Voilà. Donc, en fait, là, moi, je n'ai pas besoin de débarquer chez Michel. C'est condamnable. C'est condamnable par la loi. De toutes les façons, elle s'est foutue toute seule dans la merde. Personne ne la condamne. Moi, je n'ai pas condamné. Je n'ai pas condamné ma reine. Je lui ai dit juste qu'elle n'a pas pu faire son travail comme il faut. D'accord, mon cœur. On ne condamne pas. Allô, on vous écoute. On ne condamne pas. Allô, allô, je répète ma phrase. Allô. Allô, madame. Moi, mon live, tout le monde a le droit de parler ce qu'elle veut. Tout le monde a le droit de s'exprimer comme elle veut. À une seule. Madame, personne n'a peur de Michel. Déjà pour de 1, personne n'a besoin n'a peur de Michel de 1. Elle est coulounaire, mais on ne sait pas d'où est-ce qu'on vient tout le monde. On peut débarquer comme on veut. Ça ne va pas aboutir à rien. On essaie de remettre le pendule à l'heure. On essaie de remettre le pendule à l'heure pour avoir une même opinion. Il n'y a pas de solution là-dedans. La solution n'est que Michel doit purger sa peine. Point. Il n'y a pas autre chose à faire. Elle va purger, elle le fera. Et elle le fera. Je ne mâche pas mes mots, elle le fera, Michel. Elle va purger sa peine. Ça ne vaut pas la peine, on n'a pas de coulounaires ici là-dedans où on doit passer notre temps à parler à zizaner pour rien. Ok, on laisse la place à quelqu'un d'autre qui attend quand même pour parler. Allô, on vous écoute. Allô. Allô? Allô? Tu es là? Oui, ok. Je te laisse parler. Oui, moi, pour moi, oui, je suis tout à fait d'accord. Michel a pu appeler peut-être la marraine pour discuter avec elle. Madame, on laisse une autre personne parler si vous voulez intervenir. Allô, un instant, s'il vous plaît, je vais déjà couper l'autre personne. Parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait un respect dans ces lives. Ces lives, il y a un respect. Donc, si la personne ne comprend pas ce qui signifie un respect, moi, je te coupe directement le coup de fil. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Voilà. Ok, c'est bon. Elle a coupé, heureusement. Tant mieux. Alors. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Je m'excuse, hein. Moi aussi, je vais parler à Lingala. Oui, parlez à Lingala, vous êtes libre d'expression, madame. Oui, même portugais, le bata katoroyoka. Botarde. Allô, oui, on vous écoute, madame. On vous écoute. Je suis déçue de notre communauté. Et si on se souvient dans la Bible, il y a une histoire
de la femme adultère. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Dans ce qu'on dit, personne n'est parfait. C'est vrai que Michel est la fourmi de l'air. Et la vie aussi. Moi, je prends part des personnes. Donc, Michel, elle doit assumer. Attends, je fais entrer quelqu'un d'autre en même temps qu'elle s'exprime aussi en même temps. Ok. Oh non. Allô? Allô, bonjour. Allô. Oui, Mireille, bonsoir. Bon, on t'écoute, madame. Oui. Bon, ok. Eh bien, vous pouvez rappeler alors, madame. On continue. Allô? Oui, moi, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, oui, la marraine a fait. On n'est pas en train de s'entretuer. On est juste en train de, la, comme tu viens de dire, remettre les pendules à l'heure. Elle a mal fait son émission. Il faut en parler. Parce que pour nous, les spectateurs, nous sommes en train de voir qu'elle est en train de prendre la partie de Michel. Parce que si elle avait besoin de faire une interview avec Gladys, elle aurait fait depuis très longtemps. Et même Gladys, elle est la première personne avec qui elle allait faire l'émission avant même Michel. Bref, pour moi, elle n'avait pas à lui dire. Bonsoir, papa, tu sais ça vaut mieux, mais pas le même. Sokozan a dédicacé. Je vais mettre à vous parler sur le mot de canal. Elle n'avait pas du tout. Non, je l'ai assis après le coup. Quand elle fait son live, c'est comme si aujourd'hui elle est en train de faire passer une audience. Tu fais passer une audience à une personne, c'est comme si tu vas au tribunal. Au tribunal, jamais le juge il va te dire oui, c'est dédicace. Allô? Jamais, ça ne fait pas. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, oui, parle, ma puce, parle. J'ai une deuxième ligne là. Oui, allô? Jamais au tribunal, on va te dire passe une dédicace. Non, même au tribunal, quand tu t'exprimes mal, le juge il parle, il revendique, il dit que non, tu dois pas, tu ne te comportes pas comme ça, tu ne te comportes pas comme ça. La marraine, quand elle a vu que Michel commençait à mal parler ou à être très hautaine, elle aurait dû côté les mails directement, lui dire que non, je ne suis pas d'accord, Michel, tu es devant un public au jour d'aujourd'hui, tu es une personne, il faut qu'on me dise ça. Tu n'es pas une personne, tu dois être hautaine. Non. Oui, bonsoir. Patientez, je vais vous faire un passe. Ouais, patientez, s'il vous plaît. Pour moi, franchement, son émission, franchement, pour moi, son émission, là, c'est... Pour moi, ça a recommencé à refaire. Et même, bon, c'est déjà fait, c'est trop tard. Mais la prochaine fois, qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs. Voilà, elle a fait des erreurs. Il faut qu'elle assume. Voilà, point barre. D'accord, merci beaucoup pour ton intervention, ma soeur. Donc, voilà, s'il y a d'autres personnes, on laisse la place à d'autres personnes pour pouvoir réagir. Oui, au cas où, si tu as d'autres suggestions et tout, n'hésite pas à revenir. Hein. Merci. D'accord, merci. Ok, je vous en prie. Oui. Alors, voilà. Bonsoir, vous êtes. Trois en ligne. Bonsoir à vous trois. Et bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô, je me sens entendre? Oui, oui, bonsoir. On vous écoute, messieurs. Vous êtes trois en ligne, hein? Donc il y a trois personnes. Okay. Moi, j'appelle de la Finlande. Enchanté. Quand tu étais ici, on s'était vu. Mais je veux parler de cette affaire-là qui fait un peu rage sur le net. En fait, pour la marraine, on n'est pas en train d'attaquer la marraine, mais on fait des remarques. Voilà. Le monde des émissions. Il y a une personne qu'on peut accorder du crédit et il y a une personne qu'on ne peut pas accorder du crédit. Le criminel, on ne fait pas des humours avec le criminel. Vous vouliez intervenir ? On se sert comme des pistolets pour le traiter. Voilà. Donc, deuxièmement, je parle de cette fille-là qui a séquestré notre soeur. Tout à fait patiente. Il y a un monsieur qui est en cours là. C'est très méchant. Tu sais, on arrive à un adage qui dit « Bandouya Sontamani, Bandouya Nenina ». Ça veut dire que quand une personne t'accroupit, ça veut dire que chez nous, en Afrique, la personne commence à chier. Tu vois? Cette fille-là, la manière de faire, je pense que j'entends parler de ça, ce n'est pas pour une première fois, c'est pour une énième fois. Un jour, elle peut arriver à tuer une autre fille.
Tu peux baisser un petit peu le volume, s'il te plaît, de ton côté. Oui, mais si on vous écoute, continue, parce que j'ai deux lignes de téléphone, donc j'essaie de gérer les deux, en fait. Ok, c'est bon, merci. Donc, je voulais dire ceci. Il faut retenir une chose. Si on peut faire le contact des hommes dans le monde, il y a au moins 80... Tu attends que le monsieur termine, après tu interviens. Ils sortent toujours la porte principale. Merci. D'autres se font attraper, d'autres ne se font pas attraper. Oui. Le problème réel, si elle voulait vraiment résoudre ce problème, le problème se résout au point principal avec son homme. Deuxièmement, moi en tant qu'homme, je la trouve, elle est complexée d'elle-même, elle n'a pas la maîtrise de son corps et elle ne sait rien. Parce que si une fille, ton homme commence à sortir, c'est que tu as des failles, c'est que tu n'es pas apte à l'entretenir. Il faut aller plutôt chercher. Monsieur, s'il vous plaît, essayez de résumer un petit peu parce que j'ai les gens qui nous suivent. Il y a Brigitte Teka qui a été la victime. Brigitte Teka Carla qui a été la victime de Michel et Popo. Hein? Donc, qui est au jour d'aujourd'hui la femme légitime de Didier Lacoste. Actuellement, elle se trouve à Kinshasa, que je souhaite bon séjour à Kinshasa. La belle sœur de Galaxy Mambo à Aubervilliers, quand même, que je souhaite un bon séjour. Et on essaie de la réconforter un peu, un petit peu. Pourriez-vous résumer en huit clous parce qu'il y a trois personnes qui vous attendent là, s'il vous plaît. La fille doit aller au niveau, comme on dit, dans l'armée. Donc, la fille doit être dans l'état de sa responsabilité. Donc, elle mérite la prison, si j'ai bien compris votre opinion. Voilà, c'est réglé. Parce que quand tu es dans la maison, on est en train de séquestrer une copine que vous avez eu le temps. Le mieux serait même de sauver l'innocente. D'accord, monsieur, pourriez-vous rester en ligne par contre, s'il vous plaît? J'ai deux dames qui vous écoutent, qui aimeraient peut-être donner leur opinion avant que vous clôturez. Un homme a toujours du respect au Tetelake Mafumbeko Chibenge. Que je salue à passant. Qui c'est qui peut reprendre aussi le... Alors, j'ai une dame ici à côté. Pourriez-vous parler, s'il vous plaît, madame? Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute, madame. En fait, moi, j'allais parler par rapport à tout ce que ça vient... des gens, ils parlent, tout ça, ce qui vient de passer, là. En fait, le problème, c'est quoi? J'allais dire quoi? Déjà, elle-même, la personne en question, Michel, elle s'est excusée, elle a dit qu'elle assume ce qu'elle a fait. Si on va la mettre en prison, elle va aller en prison. Si on va la faire, je ne sais pas quoi, là, ce qu'elle avait dit. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a les autres qui disent elle a bien fait, nanani, nanani. Non, il n'y a pas de bien fait. Moi, je dis à toutes les femmes, ceux qui disent que Michel, elle a bien fait, si c'était elle, à la place de Michel, elle allait même, je ne sais pas quoi, tirer les cheveux, les mèches de la femme, des trucs comme ça. Il faut qu'on arrête un peu là. Il faut que les gens au moins connaissent que même si on fait tout ça, la Michel, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Mais il faut qu'on sache aussi. Il faut avoir, par exemple, comment est-ce que je peux dire? Il faut tout bang à Nzambe, la peur des dieux, en fait. Il faut qu'on tout bang à Nzambe. Parce que quand les gens, ils ont la peur des dieux, c'est là que chacun va respecter, aimer son projet comme il aime soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on arrête en paix. Tous ces gens-là qui parlent là, qui disent là, moi en fait, mon problème c'est quoi? J'ai pitié de Michel, j'ai pitié de Gladys. Les deux là, en fait, Michel était conduit par la puissance du mal, hein, par la puissance de l'esprit des diables. Et Gladys, la pauvre, voilà, les diables a voulu la mettre, je ne sais pas quoi là, au Sambisaye, Namokilimokimba. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, si vraiment nos têtes à nous, tout réfléchir très, très, très bien. On ne peut pas dire que moi, je suis Michel, moi, je suis Nanani. Non. Il faut que nous nous posions la question pourquoi notre sœur à nous, Michel, a coqué quoi arriver, qu'on s'en a dit qu'on a dit en plus, vas-y, orgueil, il y a qu'on filmé en haut, qu'on s'en a dit qu'on a dit qu'on a franchement, il faut que nous nous question pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau, quel que soit qui bombarde, quel que soit qui nini. Premièrement, avant que nous nous bombardions, il faut que nous nous donnions des humains.
parce que ce que omitche que osa imen okolinga prochain na yo ka y a pas l'amour du prochain, c'est pour ça les gens ils font ça. Il faut que nous malana tout parce que Michel elle va aller en prison. Alors veuillez patienter messieurs, veuillez patienter, il y a déjà quelqu'un qui parle. Mais c'est vraiment triste, c'est vraiment triste parce qu'une personne qui réfléchit, une personne qui se respecte déjà de elle-même, en a resté en toute honnêteté. Monsieur, pardon, excusez-nous s'il vous plaît, il y a déjà une personne, une dame qui parle. Après, vous pourriez prendre la parole. Voilà ce que je veux dire. Donc, moi, de mon côté, moi, je dis que ces deux femmes-là, surtout la Michelle là, il faut franchement aller au canal au Nganzambe, à Senganon par deux Panzambe, c'est ça le plus important parce qu'elle n'a pas l'amour du prochain. Et d'aider la Gladys là, moi en fait, moi mon problème, je la connais. Naebi, Vinaye, Tessondeninte, elle aussi, il faut aller au Kapel au Nganzambe parce que Kotambola, Nabandengwana, Tambolena, ce qu'elle avait raté, c'était la mort. Parce qu'elle marchait avec un esprit, et mon Kabandena, nos Koyebangote, parce que nous, on a juste vu Tolobi et Tozolo Banakto, ça va vivre, Naviso, tout ça. Mais quand dans spirituellement ces deux femmes là bazaki na ba esprit moko boe bando tambi sabango parce que regarde la personne qui a fait ça, elle était à l'aise yé moubali mais bango mi bali si ko bazou ko s'acharné tout ça, les trucs comme ça. Moi c'est juste que on peut dire que ouais abet à prison à salani tout ça, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que il faut qu'elle demande d'abord pardon à Dieu, et si elle peut demander pardon aussi à la personne ou à mouninga moi si le koulaye ou y a sambou ici parce que soit y a quand ça ka sambou ici kaka nous autres y a de la 10 non y a pas signé ça, c'est ce que je veux dire. Donc il faut maintenant que Mawana échange et puis Michel et Lumanzambi. Voilà. Allô. Moi, ce que allô. Dire, c'est ok, merci beaucoup. Allô. Madame. Merci, hein. Bonne soirée. Merci en tout cas pour l'intervention. D'accord. Merci. On vous remercie. Meilleurs vœux. Hein. On est toujours au mois de janvier. Merci à toi aussi. Merci. Bisous. Oui, messieurs, bonsoir. On vous écoute. Soyez un petit allô, peu bref pour laisser la place à tout le monde, s'il vous plaît. Merci. Allô, maman, t'as quoi, bonsoir. Oui, bonsoir. Tiens, avant que vous parlez, ça fait un grand plaisir. Moi, je suis donc marié. Oui. Dès qu'on a rappelé la vie. Non, ça a deux versos. Verso le gosso, pour ta famille, ma vie est la Michelle. Parce qu'elle n'était pas sûre d'elle. Elle a bali. Moi, la bas j'avais cru qu'il n'y avait pas. Mais le commun est très important. Je dis, il faut que tu aies un gros salaire. Il y a deux personnes. Dans ma fille, qui tient ça, dans ma fille, à Poto. Quand un homme, parce que je vis de ce temps, un homme, quand une fille t'envoie, tu sais, il n'a juste pas eu la moitié d'un là. Il faut dire, parce que l'homme, il y a un coup à bon moment. Veuillez patienter, s'il vous plaît, veuillez patienter. Alors, hein? Mais du coup, alors, que si on a saladie, dans les dernières vidéos, j'ai pitié de cet homme-là. Puisque quand tu vois ta femme agir comme ça, fait du couteau, en plus, on n'est pas en Europe, on a Kim, il fallait se fâcher, sérieusement, que ça. Oh, j'aime bien des connes comme les autres. En plus, une fille à moi de ma guinée. Vous savez, c'est parce que, à peu près, ce que j'ai dit, là, il y a sa capote, nous sommes au bout, 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 nous Patientez un petit peu, madame, s'il vous plaît. Il y a un monsieur qui parle et après vous pouvez prendre la parole. Papa, Zala, moi, mouke, bref, parce que Batou, au moins, il lobby, bah, Missala, Batou, oh là là. Maman, franchement, tout ça, c'est ça, le du coup, ils ont gagné les délais et ils ne faisaient pas pour rien. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Et votre avis par rapport à ça concernant l'acte que Michel a posé? Moi, je ne suis pas d'accord que la fille sorte avec son homme. Mais l'acte qu'elle a posé, en fait, c'est ça le blême. C'est ça le problème. Mais si quand il y a un canton, toi, n'est pas qu'à Kabila, à quand c'est ton époque à Kabila, donc pour l'information, non, Michel, ton époque à Kabila, il souhaite. Ton époque à Félix, c'est ce qu'il dit. Et à sachant que ce soit aux appels, moi, ça, t'es quand t'as un aéroport qui tape un angel, il y a mon aïe, pour comprendre ce qu'on vit à Batou, on nous dit aux obsessions, ils sont passés le poids à Zoba, on dit, tu nous traites comme des connasses, en fait. Tu dois arrêter tes conneries. S'il y a un homme qui te trompe, dégage-lui de ta vie. Hein? Dégage le mec de ta vie, prends une autre, tu remplaces. Va remplacer à Kakate, maman. Oh.
Papa, pardonnez à maman Moussou Sabéina parti à Londres, s'il vous plaît. Allô? Allô, oui, madame, bonsoir. Oui, je vous salue, je salue déjà maintenant sur Bazan. L'ingan dans le Bazan, l'ingan, la peau française, Benza, les alliés comme mon boulot, et maintenant, pour ça, maintenant, sur Bayo, Capoué, puis ma bien. Nalobi boy, y a Michel Luana. Michel Luana, d'abord, y a mon coup. La raison est dans l'émission à la marraine. Azo, c'est un abattu, pardon. Quand les filles n'ont pas de nez, le baquet, Azo, dans le lendo, dans nous, ma casse. En plus, Azo, l'ingan, l'exhibition, qui est Azo, et l'eau, mais bon, on a pas quitté la quitte. Ce qui justice, il faut salam, il faut salema. Oui, à qui t'en a king, ce qui justice en au salima. Et qu'au salima. Parce que n'est pas déjà la coûte RTNC, les noms déjà annoncés, ok, avis des recherches, et ça déjà contrôlé. Ce qui a dans la photo, bah, du nom, ce qui a dans la photo, va porter déjà plainte contre le Alexis Bavidioana. Il y a ceux qui gladissent à l'ouan qui pas naïe, si nanda kunaïe. Attends, ceux qui ont une intention, mais est-ce qu'il y a qui n'a droit au salima, moi, salima? Non, il fallait que bisaye. En plus, n'est pas azal les bien. Voilà. Allô. Excusez-moi, bonsoir. Quitte ça pour une place aux amis. Merci. On attend qu'il y ait une dame et il y a deux personnes devant vous et après vous répondre la parole. Merci beaucoup. D'accord. Un Zambé, appelle les côtes à 4-3 TSE, on a tiré 4 conférences et épais à mon boulot. Bah oui, elle a torturé. En plus, il y a d'autres téléphones pour l'information. J'ai parlé moi-même à Gladys. Il y a d'autres actes qu'elle n'a pas pu filmer. Elle a violé la fille. Voilà. Oh, Bonny Boy. Oh. Parce que Batoubazo reprochait Bissot. Batoubazo reprochait Bissot que Tozo pour endetter Bana Kinshasa. Non, Nazo pour endetter moi la Kinshasa. C'est du n'importe quoi ça. C'est du n'importe quoi. Batoubazo, ça va se coter la Michel. Michel, elle doit être emprisonnée. Moi, je suis désolée. La personne qui m'en veut, elle m'en veut. Bon, ben, on a tati ba mino. Pourquoi pas Nazara tati? On m'a dit, oh, ils ont des deuxièmes épisodes. Michel, il faut assumer. Il faut foutre ta acte à Salaki. Elle doit aller en prison. Point barre. Excusez-moi, Ndeko, pardon. Toi, tu as battu Moussou, hein? Hein? Ok. Allô, oui, monsieur, on vous écoute. Bon, ça mon bon résumé, moi, mon ken, à mon niveau, sur ma zone, quand live. Le dernier mot, sur le remords envers Gladys, nous devons apporter un soutien moral, physique et financier à Gladys. Ce n'est pas facile que ta vidéo puisse se retrouver dans le monde entier. Si vous pouvez apporter le message à Gladys, vous dites à Gladys ceci, qu'elle est belle. J'ai trouvé en elle un beau physique qui dépasse même Michel 100 fois. Qu'elle ne puisse pas se suicider, qu'elle ne puisse pas se faire du mal, devant elle, il y a un avenir meilleur. Et j'ai compris qu'à Kinshasa, il y a des belles filles qui savent vraiment le devoir de lui. Puisqu'en Belgique, puisqu'elle a fait marcher une fille d'Europe. Elle a dit qu'elle soit remontée, en face d'elle, il y a un avenir meilleur et prospère. Qu'elle puisse avoir le courage d'affronter chaque jour. Que le diable ne puisse pas entrer par ce chemin nébuleux en elle. C'est ce que je voulais dire. Donc, s'il y a des cotisations, vous mettez, on va mettre les sommes pour qu'elle puisse changer, je ne sais pas, d'être, un voyage, qu'elle change, parce que c'est trop qu'on a, c'est trop. D'accord. Ok, merci beaucoup, messieurs. On va laisser la ligne pour d'autres personnes, s'il vous plaît. Allô? Oui, je peux prendre la parole? Oui, bonsoir. Attendez un instant, je vais vous mettre en conférence avec quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bon. Allez, c'est parti. Allô, moi, je ne suis pas contre qui que ce soit. Bon, la personne qui veut le haut, genre, il y a guerre. Mais ceux qui guerrent, on l'occupe beaucoup. Ça, c'est sûr et certain.
Mmh. Oh mon Dieu. Allô? Allô, un instant, excusez-moi. Oui. Un instant, bon. Là, vous êtes... Là, vous êtes quatre en ligne, mesdames. Hein? Bonsoir. Je peux parler, du coup? Oui, oui, on vous écoute. Parlez, voilà, madame. Merci pour la patience. Hein? Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci. Je vais être très bref. Je pense que Michel, si elle aurait juste frappé Gladys, il n'y aura pas eu les mêmes condamnations. Je voudrais juste faire passer un message à notre communauté congolaise. C'est que vous voyez ce que vous voyez sur la vidéo, c'est ce qui se passe tous les jours en Libye. Aujourd'hui, on ne peut pas se lever et faire des manifestations contre les maltraitances en Libye parce qu'on fait la même chose contre nous-mêmes. Et comment voulez-vous que les Arabes nous épargnent? Donc, on comprend qu'elle est en colère, qu'elle est jalouse. On est des femmes, on ne va pas jeter la pierre. Mais elle aurait dû limite s'arrêter à la tabasser si elle veut et se battre avec elle, point barre. Mais jusqu'à ce que la maltraiter comme ça, la mettre à nu, là, je trouve qu'elle a dépassé et vraiment, ça peut être de la maltraitance. Et je voudrais juste qu'on arrête ça entre nous. Voilà. Mmh. Ok, merci beaucoup, madame. Merci, c'est très gentil. On vous écoute, la deuxième personne, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Meilleurs vœux. Oui, meilleurs vœux, merci, pareillement. Merci beaucoup. Oui, moi, j'ai appelé pour intervenir parce que j'ai suivi plusieurs personnes intervenir. Je vais intervenir d'abord pour dire quoi? Vous savez une chose, la nudité, elle est sacrée. La nudité, elle est sacrée. C'est ce que tout le monde doit savoir, d'abord. Mm. Et en plus de ça... Mais là, ma reine, elle s'en va à la live. Excusez-moi, mais... Excuse-moi, ma soeur, excusez-moi, excusez-moi. T'as la marraine à ce qu'on ça la live, honnêtement, je suis désolée. Là, je vais être vraiment très compliquée. Marraine, bah tu vas reprocher parce qu'elle est fanatique. Ngata yeba marraine aya qui sapeuse en internet. Parler, elle m'interrompt, la dame m'interrompt. J'étais en train de parler, j'ai pas fini mon idée. Elle ok, fini. Terminez votre idée, madame. Oui. Ok. Je disais ceci. D'abord, la nudité, elle est sacrée. Nous sommes au 21e siècle. Et ce que je voulais dire à Michel. Elle est raison ou pas, moi je vais dire, je n'interviens pas pour Gladys, parce que je sais que Gladys a mal fait, mais ce que moi je vais dire à Michel, c'est ça. Madame, vous savez une chose, pendant les années passées, de bonnes femmes, ce sont nos mères, ce sont nos mamans. Nos mamans sont des bonnes femmes. Et pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à garder nos mariages à cause de toutes ces histoires-là. Essayez un petit peu de résumer, madame, parce qu'il y a des gens qui attendent, s'il vous plaît. Je voulais donner un conseil à Michel. Parce que quand elle parlait avec la marraine, j'ai senti l'orgueil à elle. Donc, elle Un instant, je fais entrer une personne, hein, s'il vous plaît. Allô? Messieurs, patientez, s'il vous plaît. Il y a déjà une personne qui parlait tout à l'heure. Patientez, s'il vous plaît. Il y a déjà une dame qui parlait tout à l'heure. OK. Madame, vous pourriez-vous terminer, s'il vous plaît? J'ai fait entrer le monsieur pour ne pas trop attendre. Merci. Allô? Allô? Oui, j'ai quatre personnes en ligne. Allô, mesdames? Allô? Oui, mesdames, parlez parce qu'il y a un monsieur qui va prendre la parole après. S'il vous plaît, merci. Je voulais justement intervenir pour Michel. Donc, je voulais justement savoir parler à toutes les femmes, et les soi-disant les femmes mariées. Quand on vous compte dans votre foyer, ce n'est pas la faute de la maîtresse. Ce n'est pas la faute de la maîtresse. Donc, il faut, Michel, qu'elle puisse aller voir d'abord en premier le mari. Donc, si Michel est vraiment d'accord. Au lieu d'aller torturer un
un être humain. Ça ne se fait pas. Mais c'est du n'importe quoi, cette femme. Mais cette femme devait pas être en liberté. Normalement, moi, franchement, toute la communauté africaine devait franchement porter plainte pour que ça puisse saturer, pour que le monde entier en parle. Et la fille, là, oui. Ok, merci beaucoup, madame, pour votre opinion. On fait passer quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô. Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Maman. Oui, tozo yo kayo, papa. Ngana ni ngana loba. Oui. Lo ngaka ni ngana loba na basi, oye bazo kote la Michel. J'espère que mon koloba retomba ndeko na bango na mobali oyo. Voilà. Va tomber, allez la té. J'espère que la marée na mon koloba formalé qui n'aille quelque part. Pour ça, les gens vont tomber, bambier ma banga. Merci. Merci. Voilà, c'est ça. Ok, violence, c'est Sili Nango, mais va toi continuer, oui? Nambeli! Bien sûr! Merci, amen. Amen. La violence ne se justifie pas. Amen. Amen. Oui. C'est la seule chose qu'on peut faire. Il faut demander aux Congolais, aux êtres humains, aux animaux. Amen. Il faut te dire que le dos est moquillé, Batouba se comportera le coup là, Batouba. Michel, il faut apporter à prison. Les faits sont là, séquestration et torture. Amen. Il faut pas gangaïer, Batouba, des plaintes, le coup là, Batouba. Et quel pays? Oui. Voilà. Merci beaucoup, papa, pour ton opinion. Nayo, Nalek Salam, Alek et la survêt, le robot. Le quoi, Boza Mibali, Binomi Balé, Bosolo, la mouquet, après Nalek Sabana Bassi. Un homme marié, c'est pas un crime. Voilà. Avec une femme mariée, ça n'a jamais été un crime. Merci beaucoup. C'est une société civilisée. Merci. Torturer quelqu'un, séquestrer quelqu'un, c'est un crime. Il faut. Mais Botika, ceux qui marraine, on la live n'est bandé. Botika, ça la live n'aille. Moi, je ne suis pas contre marraine. Moi, je dis clairement. Oh là. Oh. Mais on s'en fout. Nga marraine, ok, nange, si, kamorote. Moi, je suis clair. Marraine, aïe, na internet, il y a la sapeuse. Aïe, na internet, il y a chroniqueuse. Te. Elle a zana ba histoire ya batu, histoire moutabete li lisoro ba foutye mongo a lobeli andimoli. Moi ce qu'on a zoti ka opinion ya batu public parce que ya moussala nanga et ya makam nanga. Ben oui, il y a la différence quand même. Oh. Mama, na moussala na yo constatise, zala na yo tranquille, tu fais ton travail, c'est ton opinion. Merci beaucoup. Oh. Moi je suis pas d'accord, Michel là, mais na minute yo ake de Kishasa. Akende te ne baso lo babino bo benga na minute mino kasinga na ko banga mutu na minute Michel yende nani e raconte la ki bi je te ka e ba kite. Moi je suis tellement bien armé, bien sécurisé que na niveau ya nyama yo nana ngo ko débarquer na porte na yo nani c'est fini hein. Aji ya ba ya comédie on a ba théâtre de chez nous, elle doit assumer. Oh. Oh. Oh, c'est ça. Mi pali ba lo ba bino zo mona ngolo kwa ba je.
Et longue bana mi bal balat sa mitakala basi biso na msu komo la sa na mitakala. Si ko ngana sala d'accord na Michel. Nga Michel amu tete la lokola nga mo je suis pas d'accord. Merci beaucoup papa tole ki sa ndekono mon bali hein. Allô ba s'il vous plaît. Merci. Allô l'archevêque, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir madame. Voilà, on vous écoute l'archevêque. Bon, nga na zona na ye parce que na landi femme moko, il y a une femme blanche qui vient d'intervenir là. Jamila Turbo. Il y a un intervenant qui a passé il y a tout à l'heure. D'autres économistes sont tous les Kawana Pona Oloba. Moi, je voulais poser une question simple. En ce qui concerne le sujet, il y a ma femme Wana Baloubi. Déjà, là, ma première question par rapport d'accord, à la dame qui a intervenu tout à l'heure, je pense que dans le Congo, nous avons au moins 435 ethnies. Parmi 435 ethnies congolaises, bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute, l'archevêque. On vous écoute. Patientez, s'il vous plaît, je vous mets directement en conférence. Sorry, Batouasi, nous sommes à la troisième personne. Hein? Patientez, s'il vous plaît. Merci. Les femmes camerounaises aussi, ils ont leur comportement, elles. Donc, quelque part, ce qui s'est passé entre Michel et notre sœur là, ce sont des femmes têtées là. Le comportement de Bango et à ma campagne est justifié. Je dois soutenir Michel T, je ne soutiens pas les Kingumba, il y a Gladys, et je ne soutiens pas la violence, il y a Michel. Moi, ce que je pense qu'on devrait savoir, la problématique, c'est quoi? La fille, elle est arrivée dans Ndakwana Koma. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire, il y a un trio entre Michel, Gladys et son copain, soi-disant son mari? Voilà. C'est ça. Avant de condamner, oui, bah dispute n'a pas couple les alaka. Voilà. Bravo. On doit se poser la question, quelles sont les relations y a-t-il entre Gladys et Michel au départ? Est-ce que parce que la fille Oyo Azamouté, je m'en fous. Passé naïe aussi Oyo Zali côté Barnini à sa choix. Est-ce que Moubalouana va donc partager Tena Gladys la Michel? Voilà. Parce que Volani, au logique, au moment où tout était dans le rythme. Vous visionnez l'image, on a très bien dit, tout était dans le rythme. Pourquoi la femme de la fille Gladys, elle était obéissante vis-à-vis à Michel? Voilà. Est-ce que dans le 20e siècle, tu as condamné ceux qui nous ont la femme africaine? Ma fille, ma femme, n'a pas vendu la poissy. Dans mon immeuble, on a vendu moi si, mon bali a gagné moi si, n'a rien à texto. Moi si, n'a couché qui n'a mon bali, n'a mon bali, mon sous. Lorsque la famille vendit mon bali, n'a pas gardé, n'a pas moi si, n'a rien, dit les lots. Et la famille, bah, y'a dit que moi si, il y a des conabiso, à tomber par mon bali. La famille, t'as vendu mon bali, on a gardé moi si, les lots. Donc, en Europe, quelque part, paix. Processus comme un mot validé dans le 20e siècle pour rejoindre les pensées à femme dans le 20e siècle. La d'accord. Femme africaine aujourd'hui, elle fait la prostitution avec la complicité de son homme. Merci beaucoup, l'archevêque. Nazobande Kwabasi Moussous Bola Nabiso. Merci pour l'opinion. Nayo. Bonne soirée. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Et merci pour l'attente. Hein. Merci beaucoup. Pour la linga kakoti à Batunyoso à l'aise. On vous écoute, s'il vous plaît. Non, voilà, moi j'ai appris juste parce que, voilà, dans mon histoire, en gros, ils ont mata. Oh, là, on n'arrive plus à comprendre. Il y a, bon, tout dans la France, hein, nous avons gardé le droit, il a coupé sa opinion, là, il a problème T. Comme on avait dit, nous, on a vu les images. La fille, elle est passée chez la marraine pour défendre, pour en fait contredire ce que Gladys avait dit au départ. Elle avait accusé que son mari était présent. Elle a démenti en disant que non, le mari n'était pas présent. Mais par surprise, on a vu une deuxième vidéo qui vient de sortir, si je peux dire une deuxième vidéo, parce que moi j'ai vu qu'une au départ, qui vient de sortir. On a vu, il y avait un monsieur qui rentrait dans la pièce où il y a Bandaki qui menaçait
la Gladys. Michel a bannière comme menacé Gladys et que Gladys a été protégée par une de filles Nakata à Madame, excusez-moi madame, en fait tout le monde presque on a vu la vidéo parce que je visionnais dès le premier jour et moi au jour d'aujourd'hui si j'ai fait des vidéos moi je ne vais pas m'amuser non plus derrière Michel parce qu'elle me dit absolument rien à Michel ni Gladys, on est en train de défendre la femme, la nudité de la femme, le respect de la femme. Parce que les gens vont croire comme si que moi je suis pour machin et tout ça. La nudité de la femme, il faut dire que ce qu'elle a fait est condamnable. Ezali condamnable. Michel doit assumer. Condamnable. Personne n'appartient à personne. C'est pas parce qu'un homme vient t'épouser que le bail Iwana a commis propriété privée de la Yuna. Tout à fait. Ça revient des fois. Tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux et rentrer à la maison, faire comme si de rien n'était. Tu vois, la poteau. Le monde n'a qu'à ta on a couple, mais ils arrivent sous couple. Parce qu'elle a si maman, comme on a quand même mêlé et ça la maca. Voilà. Cette fille-là, elle n'avait pas le droit. Il y a que ça là-haut à Saliba, Mataba, qui t'a c'est comme ça. Nous, on n'est pas là pour te rendre à un petit coup. Pour accuser comme si tu sois parfaite. Vu que tu sois parfaite, tu es toujours là-bas. Ma maman, Péo et ma balle, le loba Télémy, pour ne pas dénoncer que l'acte où il y a pour tout faire, c'est ça mal à monter. D'accord. Ma maman, Péo, je vais parole pour dire que l'acte où il y a pour tout faire, c'est ça mal à monter. D'accord. Ok. Je suis Michel. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Par contre, madame, si vous pouvez. Si vous pouvez patienter, madame, merci beaucoup. Si vous pouvez patienter quelques minutes, hein, il y a quelqu'un qui a connu quand même Michel avant, voilà. Donc, qui va pouvoir intervenir en fait pour nous dire deux, trois petits mots avant. Allô? Oui, bonsoir, madame. Yo, plaît, bonsoir. Oui, quitte ça volume, place Nayo, s'il te plaît, parce que... quitte ça volume, na deuxième appareil, s'il te plaît. Ok, tozo yo kayo, yo, plaît. Tozo yo kayo. En fait, na meki ko vision, na meki ko tala ma vidéo, nyonso. Poyo zalaka na Bruxelles, kuna na ye. Nyonso. Michel, au moment où je suis venu à Tchèque Mbéli, à Tchèque Moutakala,
pardon, ça c'était pas des pardons. Elle a voulu faire la meuf. Elle vient, elle s'exprime, après ça va bah, raison, mon combo qui ne tient même pas debout. Donc moi à sa place, Lina Kiwana, elle aurait juste dit pardon. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était que demander pardon par rapport à l'acte qu'elle a posé et par rapport à tous les gens qui ont été choqués. La nana, les gens quoi celle qui a filmé vidéo Anna. Ah oui. C'est tout. Ah oui, moi, la mobile, elle veut soutenir Gladys. Moi, je suis pour Gladys. Et je ne vais pas écrire sur mon mur que je suis Michel, je ne suis pas Michel. Et je ne resterai jamais Michel. Regardez bien sur la vidéo. Regardez bien sur la vidéo où la Gladys, elle était encore habillée. Malongola qui est déjà culotte, là, avant Malobané, à Longola robe. Parce que la culotte était posée sur le canapé. Il y avait une culotte noire sur le canapé. C'était à Gladys. Tu vois mm-hmm. Mais là, il faut nous faire comprendre que la meuf, elle est venue, elle était déjà à poil. Pourquoi? Donc, vu qu'elle savait déjà à planifier qu'il n'y avait pas qui qu'elle allait filmer, c'était pourquoi? Elle avait filmé pourquoi? Parce qu'elle était tout le temps à balancer sur Facebook pour l'humilier. Nakota mutu mobo e mama bana pardon. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Votre opinion par rapport à tout ça, parce que là, on va de la dernière ligne, la ligne droite, fin, hein? Parce que les gens pensent qu'on haït Michel, on haït. Moi, on haït personne, madame. On est en train de juste de parler et d'évaluer notre droit. Et que les gens ne comprennent pas ça. Non, on n'est pas. Moi, quelqu'un comme moi, je ne suis pas fan de qui que ce soit. À part que je suis fan de mon Dieu, c'est tout. On vous écoute, madame, s'il vous plaît. Merci. Alors. Oui, donc bonsoir. Depuis tout à l'heure, en fait, j'étais en train de vous suivre en direct. Et franchement, j'ai suivi un peu l'histoire de A à Z. Et vraiment, je suis complètement déçue. Alors là, déçue de la femme. Je suis déçue de la femme en parlant de Michel. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un déjà en ligne. Franchement, c'est inadmissible. Veuillez patienter, je vais mettre inacceptable. Elle doit être poursuivie, je vous assure. Cette Michel doit être poursuivie. D'accord. Voilà. Elle a créé des dégâts partout. Donc, merci beaucoup pour votre opinion, madame, hein, pour l'analyse que vous venez de nous faire. Là. Aucune femme ne mérite d'être traitée de la sorte. Ok, il y a quelqu'un en deuxième ligne avec vous, madame. Je pense que c'est un monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui. Allô? Allô, oui? Ben, il y a des gens avec vous. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, pourriez-vous en fait faire l'échange, s'il vous plaît, parce que là, Moutoumoka lobby, au moins deuxième, troisième personne, beaucoup lobby en même temps, s'il vous plaît. Hein? On vous écoute. Allô? Allô, on vous écoute. Oui, monsieur, je vous laisse un peu la parole, ok. Je peux parler? Oui. D'accord, en fait, moi, c'est là. Déjà, je suis camerounaise, et ce problème entre Michel et Gladys, c'est un problème que je suis depuis le premier jour. Et ce que je tiens à dire, c'est ceci. Comme vous le dites bien, je vous écoute, et déjà, j'apprécie votre réaction. C'est pas pour supporter ce qu'on défend, c'est comme c'est la nudité de la femme. Michel a le droit de défendre son prix, elle a le droit de défendre son respect normal. Mais aller jusqu'à exposer la nudité de Gladys, je crois qu'elle est allée trop loin. Pour un homme qui demain va mourir et va la laisser, pour un homme qui demain va la
Voilà. Ça, merci beaucoup, madame. On la voit, on l'écoute. Elle ne sait pas jusqu'où la justice traditionnelle africaine peut la conduire. Donc, elle s'y met bien sur ses gardes. Mm-hmm. Donc, c'est tout ce que j'avais à lui dire. Après un acte, je crois qu'il faut être plus posé, il faut être plus respectueux, et à la limite, demander des excuses. Mais bon, elle ne sait pas, c'est pas son cas, elle s'en fout, elle est grave. Mais il y a un Dieu, un Dieu au-dessus de tout, un Dieu qui entre justice à cette gladiste-là. C'est bon, merci. Merci beaucoup, madame, et merci pour votre coup de fil. Hein. Bonne soirée. Merci beaucoup. Oui, donc, je reviens. Allô? Allô? Oui, donc je peux reprendre la parole? Oui, oui, bien sûr, tout à fait. C'est bon, la dame, elle a terminé, c'est bon. Donc franchement, je disais, ça peut être moi, ça peut être comme moi, comme toi, ma soeur. Patientez un instant, je vais faire entrer quelqu'un pour que vous soyez à trois, s'il vous plaît. Okay. On vous écoute, madame. Oui, donc je disais, ça pouvait être... Ça peut être comme toi, comme moi, comme nos sœurs, nos jeunes sœurs, par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce que franchement, c'est vraiment une acte de barbarie. Pour moi, je pense qu'elle doit être poursuivie. Parce qu'il y a eu préméditation. Elle a préparé son coup. Elle s'est organisée, vous vous rendez compte? Elle s'est organisée, elle s'est passée par pour son copain, pour son mari, soi-disant le mari, on va dire entre parenthèses. Elle s'est passée pour son mari, mais elle doit être poursuivie pour séquestration, pour coups et blessures, pour humiliation, violence, acte de barbarie, maltraitance, inceste, torture. Et en plus, avec préméditation, vous vous rendez compte? Ouais. Elle a piégé la victime. Il y a aussi association de malfaiteurs, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Mm-hmm. Donc, non-assistance en personne en danger. Oui, oui, tout à fait. C'est une non-assistance en personne en danger parce qu'ils étaient tout autour d'elle. Il y a eu des personnes autour d'elle. Il y a eu le mec, là, soi-disant, elle est passée sur le truc de la marraine là, de la SAP. L'autre encore qui raconte des conneries et qu'elle dit oui, soi-disant qu'elle n'était pas là, mais en fait la Michelle, elle était présente, son mari était là, soi-disant qu'il n'était pas là, mais il était là. On a vu après, comme je dis, on a vu après que exactement le mari était présent dans la chambre. On a entendu quand elle a appelé la dernière vidéo qui vient de sortir. Mais qui a sorti cette vidéo? C'est bien les personnes qui filmaient. Ils étaient entre eux en train de filmer. Qui a pu exposer ces vidéos-là dehors? Soit disant qu'elle a perdu son téléphone. Soit disant qu'elle a perdu son téléphone, elle s'est fait voler son téléphone. Mais qui alors a exposé toutes ces vidéos? Et après, qui après a rattrapé le coup quand elle est passée dans le direct de la marraine et qu'elle a pu dire que oui, comme quoi que son mari n'était pas là? Et voilà, bam! Dieu l'a encore confondu. Merci. Merci beaucoup, madame. Il y a une autre personne derrière qui aimerait partager son opinion, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci, ma Blandine. Merci, c'est très gentil. La dignité de la femme, ma Blandine. Merci. Donc, faut pas qu'on laisse. Mais vous pouvez rester en ligne, hein. Elle peut parler en même temps, vous pouvez intervenir parce que là, je vais balancer plusieurs vidéos. Donc, vous pouvez aussi donner votre opinion si vous avez un petit moment. Oui, madame, bonsoir, on vous écoute. Alors, bonjour, maman, bonjour, maman Blandine. Oui, bonjour, madame. Madame, j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Hein. Oui. En tout cas, je soutiens ce que la dame vient de dire, ce que ma consoeur camerounaise, mais nous tous, nous sommes africains, donc nous sommes une seule personne. Non, moi, je ne suis pas camerounaise, là. Moi, je suis zéroise, là, maman. Ah, zéroise, ah, d'accord. Ouais. En tout cas, je vous soutiens, madame, avec tout le respect que je vous donne, je ne vous connais pas, je vous soutiens. Je suis chrétienne. Mais quand la sœur de la femme passe pour dire que pardonnez-la, c'est seulement votre sœur, et quand la femme elle-même, elle passe, vous savez, quand on demande pardon, en principe, on ne se justifie pas.
Même s'il y a eu des problèmes entre nous, quand je viens vous demander pardon, en tant que chrétien ou en tant qu'une personne, je sais que j'ai mal agi, on ne se justifie pas, vous savez. Elle commence à demander pardon. Et puis elle dit, je sais, telle personne vous a envoyé, telle personne vous a envoyé, telle personne. C'est comme ça qu'on a condamné l'autre consoeur à Maman Blondine. Parce que quand toi tu fais une émission, tu es la chef. Vous n'avez pas des injonctions à me donner. Même quand je reçois deux ou trois personnes, qu'ils soient des adversaires ou non, la femme, elle demande pardon, mais j'assume. Est-ce que vous savez ce que veut dire j'assume? C'est ça. Est-ce que vous savez ce que veut dire j'assume? D'accord. Par contre, j'aimerais bien partager, excusez-moi mesdames. Pardon qui vient du fond du cœur. Voilà. Quand quelqu'un demande pardon, on voit que la personne regrette. Elle n'a pas regretté. Vous savez, dans toute cette vidéo, l'acte qui m'a fait très mal, c'était la vidéo de quand j'ai vu, elle a demandé à la femme, écarte tes pieds. Non. Voilà. Ça m'a vraiment, alors je vous assure, vraiment révoltée. Et j'avais même dit à Madame Blondie, je dis, moi je suis Elisabeth, je ne me cache pas. Si vous voulez faire une association, je serai là. S'il va falloir contribuer pour cette fille, on n'encourage pas ce qu'elle a fait comme mal. Tout le monde a le droit d'être jalouse. Vous comprenez? Tout le monde a le droit d'être jaloux, mais pas jusque-là, parce que même le président Macron, il n'est pas au-dessus de la loi. Personne ne peut faire la loi. Personne ne peut faire la loi au-dessus de quelqu'un. C'est pas parce que nous habitons en Europe et que nous avons le droit sur la vie des gens en Afrique. Ouais, ouais. Si tu savais gérer ton mari, pourquoi est-ce qu'il est sorti? Posons-nous la question, madame. Bon. Voilà, c'est mesdames, ça. Est-ce que c'est possible? Petite question. Si cette fille était épileptique, excusez-moi, mesdames. Et qu'elle était morte. Non, madame, aujourd'hui, ça n'allait pas être là. Excusez-moi, mesdames. Je pense que le moment est venu. On va analyser la vidéo de la marraine dont j'ai connu. Elle était sapeuse. Elle n'était pas en tant que chroniqueuse ni journaliste. Elle n'a pas été à l'IFASIC. Elle n'a fait aucune formation pour apprendre au moins comment piéger quelqu'un, comment piéger un invité. On n'est pas fanatique d'un invité. Lorsqu'il y a le mal en face, on le dit directement. On sait comment s'exprimer. Je veux vous dire quelque chose. Oui. Si même Michel ou sa jumelle, j'ai déjà assisté à un de leurs forfaits en Suisse. Oh mon Dieu. En Suisse. Ce sont des criminels. Oh. C'était pendant que le pasteur Moïse Mbi était venu pour faire un concert. Ces femmes-là sont allées pour aller tabasser une femme enceinte. C'est pas possible. Si elles sont à Bruxelles, elles connaissent. Oh non, my God. Elle est avec sa jumelle. Dites-leur que c'est Elisabeth que vous connaissez. Et elles connaissent. Bon, là je vais analyser. Moi, ça me fait pas... Il y a un concert à Lausanne de pasteur Moïse Mbi. Pasteur Moïse Mbi, oui. Ça, c'est l'ordre. Elles se sont fait passer pour les sœurs de la femme dont on devait faire sortir Théo et pour la tabasser. Waouh! Franchement, c'est vraiment c'est répugnant. Il y aura un jour où cette histoire-là ne va pas passer. Mais ces jours-là, c'est... Non, mais là, elle ne va même pas passer. Hein. Oh non, non, en aucun cas. Elle ne va même pas passer, la Michelle. Elle va payer le pot cassé. Chaque chose, comme la Bible déclare, chaque chose a son temps. Elle a eu le temps de foutre sa merde, mais maintenant, là, elle pouvait avoir la raison de son côté, mais elle a bafoué sa raison. Madame, je n'ai pas totalement raison, mais moi, je pose la question. La raison est arrivée là-bas. Comment? Expliquez-moi, comment? C'est ça? Bon, est-ce que, s'il vous plaît, mesdames, est-ce qu'on peut commencer? Excusez-moi, mesdames, hein, merci pour votre patience. Je pense que pour qu'on gagne un petit peu le temps, on va essayer de décortiquer. Oui. La marraine, son émission avec la personne concernée. On va y aller mot par mot. Hein. D'abord, premièrement, nous te dis d'abord, bah, excuse, na ba maman nyo surtout, pour na acte ou tu connais ka, et puis na ba papa pe. Naza moutou, c'est vrai que acte salama ki yamabe, je reconnais. Si il faut na sala prison pour na wana, jugement et salama, naza prête. Mais, et loka vengana lo bakino. Là, ça s'est coupé déjà, donc elle a eu un appel. Vous voulez me dire que quelques mois à sa place, je pourrais dire, je viens demander pardon. Je reconnais avoir mal fait. Je reconnais avoir mal fait. Trouvez une place dans vos cœurs pour me pardonner. Vraiment, je n'ai pas envie de faire la prison. Allô, on vous écoute. Voilà, c'est ça.
Madame, allô, excusez-moi, parce que je suis en train de décortiquer en même temps les appels. Mesdames, excusez-moi, il y a une dame qui vient d'arriver là. Mesdames. Mesdames, excusez-moi, il y a une dame qui vient d'arriver là. Elle habite. Quand ton mari disparaît, tu l'appelles. Quand ton mari. Non, mais franchement. Mesdames, mesdames, s'il vous plaît, on laisse à une autre compatriote parler, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Français, tout le monde est maintenant accro à ce que tu es en train de dire. Parce que là, ce qui se passe, on est en train de voir que c'est comme si Michel a donné de l'argent aux gens pour que les gens ne parlent plus de cette affaire-là et que l'affaire soit classée Batouba Boussanango, quoi. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qu'on est en train de voir. Parce que là, il y a même des victimes de la famille de Michel qui sont sorties. Donc, c'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de choses. C'est une famille de criminels carrément, quoi. Donc, eux, leurs habitudes, c'est de taper les gens, c'est de frapper les gens, changer, mais aller même dans d'autres pays pour aller agresser d'autres femmes. Elles le font tout le temps. Donc là, elle est tombée sur une mauvaise personne. En fait, c'est juste Dieu qui a voulu que ça se fasse comme ça, que ça se passe comme ça. Et nous voulons que justice soit faite, que la justice soit vraiment faite pour cette affaire-là. Elle doit payer, en fait, c'est ça. Elle doit être emprisonnée. Donc je demande à toutes les victimes, à toutes les femmes qu'elles ont menacées, qu'elles ont tapées, d'aller encore reporter plainte sur cette affaire-là. Je pense que elle et sa sœur, elles seront condamnées pour ça. Parce qu'elle n'était pas seule quand elle fait ça. Elle était encouragée par sa famille aussi. Donc tout le monde doit être condamné aussi. En fait, ça. Donc, maman Blondine, ne laissez pas cette affaire, s'il vous plaît, on compte sur vous. Tout le temps, il faut faire des directs et les gens doivent parler en français comme ça. Toute la nationalité, toutes les nationalités vont comprendre ce qu'on veut dire. Il n'y a pas de parti pris ici. Voilà. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Moi, mon objectif, je ne suis pas ni pour. Moi, je ne suis pas contre Michel. Je ne suis pas contre Michel. Ce que moi, je dis à Michel, ce qu'elle n'aurait pas pu faire, c'est d'exposer déjà la nudité d'une femme de un et de maltraiter une femme deuxièmement. Tu aurais pu quand même appeler la personne dans ta maison en disant que stop, la prochaine fois, ça sera plus pire que ça. Que je t'ai filmé la vidéo et que quand je te ferai du mal, personne ne sera contre moi. Il y a 10 ans passé, il va katakiller na Elongi. Vous vous rendez compte? Les deux jumelles ont
blessé cette dame sur le visage avec un cutter. Vous vous rendez compte? Mais il y a 10 ans passés, comme la dame n'avait pas vraiment le nom réel de cette famille, elle ne connaissait pas leur maison, elle s'était passée dans la rue, donc elle n'avait pas moyen de porter plainte, elle avait porté plainte contre X, quoi, contre l'inconnu, et l'affaire a duré 3 ans, ils n'ont pas reconnu les gens, et c'était passé comme ça. Vous vous rendez compte? Mais Gladys, elle est même mourie. Parce que ça, ce n'est plus la séquestration qu'on disait que non, qu'elle était séquestrée. Non, c'est une tentative de meurtre. Parce qu'elle a, elle a menacé avec le couteau. Tentative de meurtre. Alina qui a bombardé le couteau. Est-ce que prémédité? C'était prémédité. Parce qu'elle a piégé la fille. La fille n'est pas allée chez elle volontairement. C'est elle qui a invité la fille. Donc arrêtez de dire que la fille est allée chez elle volontairement. Non, non, non. C'est elle qui a piégé la fille d'aller là-bas. Donc c'était C'est comme ça. Donc elle doit aller en prison. D'accord. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Okay, merci. Et j'ai quelqu'un qui vient d'arriver là, en fait. Une dame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Au fait, moi, oui. D'accord. Par rapport aux gens qui mettent sur leur profil, je suis Michel. Donc je viens parler pour une personne là. Vous qui mettez sur vos profils là que vous êtes Michel. Quand on va regarder votre CV, vous êtes dans votre 5e, 6e, 7e mariage. Parce que, en passant, j'essaie de remercier, de féliciter les femmes comme les femmes de Kofi Olomide. Mm-hmm. Ils sont trompées tous les jours. Attendez, je fais entrer quelqu'un d'autre. Patientez deux minutes, s'il vous plaît. Patientez deux secondes, s'il vous plaît, madame. Allô? Allô? Vous savez, quand vous n'êtes pas prête, quand vous n'êtes pas prête à assumer, quand vous n'êtes pas prête à assumer la fidélité de vos maris, il ne faut pas vous marier. Parce que les femmes qui sont prêtes à assumer la fidélité de leur mari sont actuellement en mariage. Je prends l'exemple de personnes que vous connaissez que le métier de leur femme, de leurs hommes, font que les hommes les trompent tous les jours. Je prends l'exemple de la femme de Fali Poupa. Je prends l'exemple de la femme de Werason. Je prends l'exemple de la femme de Kofi Olomide, où leurs hommes sont exhibés. Leurs hommes les trompent tous les jours. Mais en aucun jour, on a vu dans les vidéos ou dans les presse ou dans la télé que la femme de Fali est venue parler de la fidélité de son mari. Ça, c'est les femmes qui ont accepté, qui aiment leur mari. Quand tu aimes une personne, tu acceptes le pour et le contre de cette personne-là. Et à la maison, tu essayes d'encadrer ta famille. Peu importe les gens qui viennent te piocher, qui viennent venir te déraciner. Ça, c'est le mariage. Vous qui êtes là, qui faites plusieurs mariages comme nous autres là, ça veut dire qu'on n'est pas prête pour le mariage. Non, ne venez pas nous dire, frère, là, on est pour Michel. Ça veut dire que vous n'êtes pas prête pour le mariage. Le vrai mariage, ce sont nos grands-parents qui ont vécu ça. Ce sont nos grands-mères et nos grands-pères. Nos grands-pères ont fait souffrir nos grands-mères comme ça. Mais nos grands-mères étaient là parce qu'elles connaissaient le valable de mariage. Le valable de mariage, ça s'apprend de le bas âge. On a un tribu. Là. On apprend chez les bâtés. Moi, je ne suis pas une moutété là, je suis une Congo. Mais je suis choquée de voir que c'est une moutété là qui a fait ça parce que chez eux, de le bas âge, c'est comme le balou. Quand elles grandissent, quand les femmes grandissent, on les apprend que ton homme peut avoir 3 ou 4 femmes. Comment vivre avec ça? C'est un tribut qui est comme ça. C'est un tribut où les femmes sont habituées à ce que les hommes soient polygames. Voilà. Une femme qui peut dire que mon homme est fidèle, même ça soit dans les hommes de Dieu, pas soulever sa main. Il n'y a pas de tels hommes. Mais on doit apprendre à nous respecter. Moi, les gens qui sont là, je suis Michel, je suis énervée là. Vous m'énervez avec vos gens de mariage là. Quel mariage? Quel mariage? Non, parlons vrai. S'il y a des vrais mariages, on peut trouver ça en Afrique. Là, on voit les couples qui galèrent ensemble. Ici, en Europe, quel genre de mariage? Parce que tu as des papiers, ou l'homme vient avec toi parce que tu as un appartement, ou la femme vient avec toi parce que tu as des papiers, ou machin, tout. Je suis désolée. Mais ici, en Europe, là, le vrai mariage, si sur 100%, on peut en trouver. Le reste là, laisse tomber. Michel, tu t'es marié toi-même. Parce que l'homme là qui en Afrique, il a quoi pour t'épouser toi? Parce qu'il est à côté de Fadi, il a rien. On ne sait pas, on apprend par exemple, c'est un homme. Ça veut
Ça veut dire que l'homme là n'a rien. C'est toi qui ramène l'argent en Afrique pour lui. C'est toi qui ramène des habits pour lui. Donc ton vrai amour, c'est Gladys. Ton vrai amour, c'est parce qu'il galère et tout en Afrique. Il faut arrêter. Il faut arrêter, vous qui dites là, ce Michel là, ça m'énerve. La femme qui est intervenue pour dire que oui, pourquoi vous faites ce genre de débat, il faut aller chercher Michel chez elle. Madame, elle n'a pas besoin d'aller chercher Michel chez elle parce que c'est infraction, c'est condamnable d'aller chercher quelqu'un chez elle. On n'a pas besoin de ça. Parler, parce que quand on voit la femme violentée, l'homme comme ça, on en parle. Donc, c'est sorti en public, autant parler. Donc nous tous là, qui prenons la parole, on n'est pas des moins que rien. On est des responsables chez nous. Donc si vous n'avez rien à dire, il ne faut pas prendre le téléphone à venir passer comme ça, dire aux gens, allez chez Michel. Il faut arrêter, madame. Quand vous intervenez dans des émissions comme ça, il faut savoir quoi dire. Allô? Il faut savoir quoi dire. Donc, il faut savoir quoi dire. Là, on est en train de dire non. Là, on en a marre. Non, c'est ça. Voilà. Mesdames, s'il vous plaît, j'ai une autre dame qui aimerait bien intervenir. On n'est pas là pour dire que oui. On n'est pas là pour dire que oui, Gladys, c'est bravo. Mais non, quand vous parlez de Gladys, quand je dis vous condamnez Gladys, ce qui se passe dans les médias, ça reste éternellement. Aujourd'hui, la femme là, c'est devenu la femme de... J'ai du monde qui aimerait bien qu'on rentre sur WhatsApp. Madame, bon, madame, merci. On laisse la parole à d'autres personnes. Il y a le WhatsApp qui chauffe là et ça m'échauffe un peu. Voilà. Non à la vie de la femme. Pour conclure, allô? Laisse-moi un peu. Oui, oui, pour conclure, madame, oui, je vous écoute une minute, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la dame là, la Gladys, elle peut devenir la femme de quelqu'un. On va sortir la vidéo. Regardez cet homme là, la femme qu'elle avait épousée. Elle est passée par là, là, là. Donc ça reste à vie. Donc on a droit. Tout moi, à fait. Je ne connais pas, c'est à Paris, mais je dis, je condamne l'acte de Michel parce que ce n'est pas la première fois. Elle a fait ça à Brigitte Teka, elle a fait ça à Gladys, elle peut faire ça à quelqu'un d'autre. Donc on condamne ça. Vous qui n'avez rien à dire, n'intervenez pas. Parce que vous commencez à énerver les gens là. Franchement, c'est quelqu'un. Et il y a, je dis, tu m'as mis telle humiliation. Voilà. Même l'homme de quelqu'un, elle était mariée. L'homme de quelqu'un là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Véro, il va te respecter. Si l'homme veut être fidèle, ça lui de te respecter. Il va te draguer. La femme est libre de dire oui ou non. Les Camerounais sont devenus chauds. Ça tout l'homme a envie de manger la tchéké. Tu ne sais pas faire la tchéké. Il va chercher là où on fait la tchéké. Ça tout, tu ne sais pas faire ton lit. L'homme là, on veut envie d'aller les draps propres. Il va chercher là où on fait les draps propres. Aïe! Parce que l'homme n'est jamais satisfait. Ça chauffe d'air. Dieu a créé l'homme. L'homme, il n'est pas fidèle. L'homme, il n'est pas là pour une seule femme. Maintenant, c'est à nous, les femmes, de commencer à savoir comment prendre la chose. Ah, si tu n'as pas envie de partager, reste seule. Il faut aller dans le couvent. C'est tout. Point barre. Va dans le couvent si tu n'as pas envie de partager. Eh, hey, wolo, les Camerounais sont là-dedans. Même les maçons, là, ça fonctionne comme ça. En cachette. Va dans le couvent. Croiser ces gens pour toi. Je suis désolée. Même les plus belles femmes du monde ont des rivales. Toi, t'es qui, Michel? Souda, ma carrière, on n'a pas, on a là. Arrêtez, elle s'est fait tromper par son mari. À comment elle peut raison Même les plus femmes, les femmes les plus importantes, comme Hillary, la femme la plus importante au monde. Regardez les pays comme les États-Unis. La première dame était trompée. Et toi, Michel, t'es qui? T'es qui, toi, Michel? Alors, on écoute quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Madame, madame, madame. Madame, s'il vous plaît, il y a deux dames qui vous écoutent en même temps. On leur laisse la parole un petit peu. Allô, on vous écoute. Hé, Ozana n'y pose en mandaté. Elle est chaude, hein? Elle est chaude, hein? Wanda ne pose en banaté. Il y a ceux là, l'objet vérité. Écoute, essaye de t'introduire, ma soeur, parce que là, je sais plus.
Ma sœur, oui. Attends un instant. Ma sœur, allez, mes sœurs, allez-y. Bon, écoutez, madame, parlez, parlez, parce que là, j'ai mis un sous-muet. Parlez, madame, on vous écoute. Ah ouais, parce que... Oui, c'est chaud, ça chauffe oui, là. Bon, bonsoir. J'ai écouté la dame, oulala, oulala, elle avait beaucoup à déverser. Hein. Donc, pour revenir à faire Michel, mesdames, bon, c'est la moutéco, pardon. Bon, que ce soit Michel. Que ça soit Michel. Zéla, mon casoloba. Mon casoloba, déjà, WhatsApp, là, ça chauffe et les portables et les trucs. C'est chaud. Attends, il y a une dame déjà en allô, ligne. Hein, patientez un petit peu. Il y a une dame déjà en ligne. Allô, je peux parler? Oui, allez-y, parlez, Nakati. Bon, je suis désolée, il fallait que Nakata. Je vous écoute, madame. D'accord. La personne oui, qui a besoin de. Donc, comme je disais, que ça soit Michel ou Gladys, je vais commencer par Gladys. Parce que la femme mariée, ok. Je vais commencer par Gladys. Ce qu'elle a fait, c'est pas correct. Tu savais que l'homme était marié, on sait depuis la nuit des temps, les femmes aiment bien convoitiser les maris d'autrui. Maintenant, la femme mariée, ce qu'elle a fait aussi, c'est condamnable. C'est vrai dame par la est mariée, justice, là. C'est punissable. Mais la Michel, ouais, dans quelques minutes, elle va terminer. Je vous mets sur reparler après. C'est responsabilité de cette odieuse qu'elle a fait. Tinga, moi, ce que je trouve déplorable par rapport à ça, Gladys, elle a même pas les couilles d'accepter ce qu'elle a fait aussi de mal. Mais Michel, elle a accepté et c'est fait. Alors, madame, pourriez-vous m'appeler un appel normal, s'il vous plaît, tu pour mettre en conférence avec d'autres personnes? Tu humilies ton homme. Normalement, une femme mariée, faut un local. Appelez-moi un appel normal, s'il vous plaît. C'est vrai. Merci. Il fallait la régler en homme bal. Ne sont rien qui bête à vous bal. Non, bon, boum, d'abord, déchiré, c'est toi et lui. Quand ça, la vidéo, quand ça, un guet-apens, c'est vrai que c'est un peu malheureux. Mais pour venir, est-ce que l'autre dame a intervenu, elle a dit, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que les mamans et les papas des anciens temps, oh, bah, maman, va vendre d'aller tranquille, il y a un abisso pas si marié, faut se mouba la nia, tu as fini à tromper, vendre tranquille. Non, tu peux parler, mais pas entre toi et ton mari dans ton couple à toi. Et ben, ma vie, banda, t'es. C'est ça, bon, bah, une femme sage bâtit sa maison. Donc, ma benda sali a tenu si ba linge sali nende e di banda. Ozo tanga la ba couple ou ba tanga, genre il y a des couples en fait, genre stars, qui sont là, leur mari leur trompe, je suis désolée, non. C'est que leur mari ne voit pas la valeur de leur femme. Un mari en vrai ne trompera pas sa femme. Parce qu'il y a des couples stars aussi qui sont mariés jusqu'à présent dans Hollywood là-bas. Ils ne trompent pas leur femme, ils sont mariés. Moi, quand on a vu au coup, on a pas qui moi, ça ne trompe pas aidé. Ti a koufi, Patrick Suez ou Anna, Bayek Moisine, ti a koufi, a trompa Moisine a aidé. Soto le mouba star, Obama, Michel Obama, Obama a trompé aidé. Donc les femmes arrêtez d'accepter ou non, nos hommes ont le droit de nous tromper. Donc on reste au calme, on supporte. Une femme qui connaît sa valeur, c'est prier. Dans la prière, il était dit, d'accord. Quand tu connais ta valeur, l'homme te respectera. Non, ça vous parlez, hein. Rose, la même façon à diminuer, mon pied, après, il va intervenir. Dans votre site, à ma connerie, la vie, non, on ne baladera au trompé. On baladera au trompé, c'est quand même pas l'idée. Il y a un an, 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 il y a un an. D'accord, merci beaucoup pour l'intervention, madame. Bonne nuit à vous, hein. C'est très gentil de votre part. Oui, bonne nuit. Ok, merci, à bientôt. Bye. À bientôt. Alors, on vous écoute, madame, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Pourquoi vous en assez? Allô, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Zela na kotona mutu musu sami balé hein, asenganga na WhatsApp hein, poto solamba la moko. Ouais. Oh, merci pour la musique. Na loba moi pona likambu ya Gladys, pona Gladys. Oui, on vous écoute. C'est
Charlie qui m'entendu qui moi la moi ça battre. Moi la moi ça la fanait que pas gagner. Elle était chez elle. C'est la femme qui a cherché la maîtresse. C'est elle qui a manigancé. C'est elle, si c'était que Gladys a été coûté une nda pour une chambre dans mon bad mais là tout le monde est encore avec Gladys. Mais là Gladys a fanait qu'il y a m'entendu et papa dit qu'on ça la conversation pendant deux semaines. Donc Gladys elle est pour rien. Elle croyait qu'elle parlait avec l'homme. Or, elle parlait avec la méchante sorcière. Donc, pour nous, Gladys, vraiment, nous avons condamné, nous avons évité. Pour moi, nous avons contacté qui est. Gladys a contacté qui était. En plus, ce que j'ai dit, c'est à Gladys, c'est autre chose. C'est elle qui a préparé tout pour que Gladys soit contacté pour nous. Il y a des gens qui ont été contactés. On dit malédiction, il y a des gens qui ont été contactés. Ma sœur, on a encore sa troisième personne, hein? Poto Loupé va appeler. Bose la mouké, hein? Bose la mouké. Oui, bonsoir, messieurs. Madame, bonsoir. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir. Bon, beaucoup Mimi Balé, hein, en ligne, en fait. Donc, Togoye Koso la mouké. Après, tout que la banine a moussou place, s'il vous plaît. Oh là là. Allô? Allô? Allô, vous êtes en deux en ligne là. Quelqu'un peut commencer après l'autre suit, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Moi, je voulais juste faire une intervention concernant toute cette histoire-là. On peut parler, on peut faire tout le tour de l'histoire. Mais moi, je pense que dans la vie, il y a une justice. Et cette justice, elle est que Michel s'est mal comporté. Tout simplement par l'acte. Madame, vous avez un problème de réseau, l'endroit où vous vous trouvez, s'il vous plaît. Moi, je n'accepte pas ça. Et vraiment, la femme, c'est le berceau de l'humanité. La femme, c'est celle qui donne la vie. Donc, on ne peut pas un peu de respect. Non seulement elle n'a pas de respect sur son corps à elle-même, de mettre le corps, la nudité d'une autre femme comme ça, étalée, non, ça c'est inacceptable. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Qu'on peut lui donner des. Il y en a qui sont pour elle ou contre elle. Patientez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de raison ou quoi, non. Nous sommes des femmes, nous avons des enfants, nous donnons la vie. Hein? Regardez un petit peu ce point de vue. Qu'elle soit l'autre soit sortie avec le mari de un tel. Non, on est des femmes, on est des mamans d'abord. On ne peut pas étaler un peu de respect. On ne peut pas étaler le corps du. Comme ça. D'accord. Donc, merci beaucoup, madame. Je viens de recevoir quelqu'un d'autre pour que j'arrête parce que ça fait au moins 2 heures qu'on est là-dessus. Hein, s'il vous plaît, au moins ça me laissera au moins 10 minutes pour pouvoir expliquer un peu les choses. Hein. Mettre d'accord. Au clair d'autres choses, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonsoir, madame. Allô? Oui, bonsoir, madame. On vous écoute. Bonsoir, madame. C'est juste pour répondre à la dame qui vient de parler comme quoi que Gladys, elle n'a rien fait et tout. Si elle savait qu'elle parlait avec le Messie, si elle dit la vérité qu'elle est séparée avec le Messie, pourquoi elle était venue? Elle est fautive. Elle savait ce qu'elle était en train de faire. Donc, ils veulent comme ils ont condamné Gladys, ils veulent comme ils ont condamné Michel. Donc, voilà. Moi, je suis Michel à Salibier. Ce qui est en train de faire, c'est le bouc. Madame, merci pour votre opinion, c'est très gentil. Donc, j'aimerais bien éclaircir deux, trois positions, deux, trois situations avant Nakata. Merci beaucoup. Likamoussou, c'est Zali, maman. D'accord, merci, c'est très gentil. D'accord. Ok. Bonne soirée. Qui c'est qui veut ajouter encore? Madame, vous nous suivez ou pas? Il y a quelqu'un d'autre après.
Ok, yes. Voilà, messieurs, dames, tu as une opinion, il y a une opinion. Tu as une opinion, tu as pour, tu as contre. Mais la plupart, il y a tout. En fait, là, c'est un moment où il y a analyse. Pourquoi je dis analyse? Il y a de mon côté, côté droite, j'ai Gladys, côté gauche, j'ai Michel. La plupart des personnes qui ont pu quoi, accepter qu'on se la défendre pour moi aussi, et ça, bateau basali pour Gladys. Côté gauche, et ça, Michel. Pourquoi je vais en venir dans tout ça? Mon problème n'est que quel esprit qui a animé Michel Omba. Allongo la makolonae na bousse, a kemiti na kinshasa. Parce que moi, je suis en train de me faire aux États-Unis. Allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Oui, c'est moi-même. En même temps, je voulais quand même. J'étais en train de résumer juste le live pour pouvoir couper, en fait. Vous voulez nous parler de quelque chose, défendre un peu votre opinion? Un instant, je vous mets en live. Deux minutes. Alors, on vous écoute, madame. Vous pouvez parler, tout le monde vous suit. Ok, allô, bonsoir tout le monde. Bon, on a besoin quoi intervenir par rapport à ce qui se passe. Oui, bonsoir. Allô? Allô, on vous écoute, tout le monde vous suit, madame, parce que j'ai deux lignes, donc je suis en train de gérer tout le monde. Ah, ok. Ok. Donc, je voulais juste intervenir. C'est ce qui s'est passé entre Michel... Vous voulez intervenir, je vous mets le haut-parleur, messieurs, et puis vous pouvez intervenir lorsque la dame va terminer, en fait. On la laisse quelques minutes, s'il vous plaît. Une copine ou bien une maîtresse de son mari débarque chez elle, dans sa propre maison, sans caleçon. Donc, c'est vrai que Michel... à filmer qui ma belle à Michel parce que à filmer qui mon problème est... allô oui on vous écoute madame hein? Oui moi je veux poser une question Batoubazo condamné Michel parce que elle a déshabillé la fille ou c'est parce que c'est parce qu'il y a des filles qui se filment Batoubazo condamné Michel madame Batoubazo condamné Michel les abouillés. De un, elle a séquestré la fille pendant deux jours parce que moi-même, y compris, Naïbi Gladys et Naïbi Michel, honnêtement. Moi, ce qui fait partie, en fait, de ma vie, étant donné qu'elle est chroniqueuse et mère de famille, je me dis que, il y a, et ça, tout ça, n'a moins de limite, il y a ma cambou. N'a sépelité, n'a acte Gladys, à cela qui a coupé, maintenant, mon bal, il y a mon tour. Je ne suis pas d'accord. Là, c'est sûr. Mais et là, quand on a reproché Michel, et fait à séquestrer Moutou pendant deux jours. Deux jours, wana, Michel, à Kangamaki, moyen li à moi na batou, et zate. Et na minute, tu recherches Gladys na Kinshasa, Gladys a un monanate à Kimi, elle est en sécurité. Pourquoi? Elle a été maltraitée psychologiquement, physiquement. Si qu'on vidéo, on est les cas qui depuis le mois de décembre. D'après ce que nous on veut comprendre, on veut tout comprendre. Gladys a épingé à Blandine les cas qui depuis le mois de décembre, mais il kobima na moi mi janvier. Pourquoi Ezala qui tant on a en fait parce que Michel était actuellement Ezala qui n'a Kinshasa. Faut pas qu'on sache que Briba qui est téléphone. Voilà. Et la meuf se fait passer comme quoi que Briba qui est téléphone et que bateau balinga kaye téné balinga basi misaye touche. Est-ce qu'on comprend? En fait, ce sont des allégations non fondées et que la personne au jour d'aujourd'hui qui est plus exposée, qui a besoin d'être en sécurité, c'est Gladys, ce n'est pas Michel. Parce que Michel, elle a un passé où elle est allée condamnée. Elle a un passé, avant nous, on a déjà Bruxelles, ailleurs qu'à Paris, qu'au Bundisabatou. Exemple typique à part, Yemo Komakabalobi, moi, c'est Didier Lacoste, Brigitte Teka. Elle fut, avant même Gladys, elle fut, ça veut dire que le passé, vraiment, il y a cinéma. C'est le passé, oui. Voilà. Donc, elle fut quand même victime, il y a Michel, Napopo, ex, il y a Lacoste.
Tolongo lina lika mwana ba yela Brigitte kati na pavione na bobini. Brigitte ka bota mwana moko, Brigitte ka kala mwa sa Lacoste. Ba bota mwana moko. C'est vrai, mbanda zui, mbanda saliboye. Est-ce que c'est vraiment bien pour nous to longo na Bruxelles ya boye, eza condamnable déjà na loi. On s'est déplacé na domicile na yo po ya na domicile na mutu mususu. Ezali interdit. Deuxièmement, quand même basi wana soki bazui problème na Bruxelles, ba belle la bango ba coulunaire. Est-ce que la coulunaire to coulunaise? Coulunaise to coulunaire. Coulunaise. Eh, nazo ye ba te coulunaire wana parce que modèle Michel Azali aza Terminator, tout ma crasse. Ya tala nga yipsa muninga fongola makolo, fongola. Fongola, non, non. Fongola makolo yo lingo kote musapi na place. Elle a fait l'attouchement sexuel à cette fille. Cette fille a besoin d'être psychologiquement soutenue, moralement soutenue, physiquement. Ok, dans le lobby. Moralement, psychologiquement, de deux, physiquement. Pour te dire, les gars qui n'ont pas de nous autres, moi, si on a été, et que intellectuellement, à niveau, il y a réputation à y aller. Moi, je ne suis pas d'accord. Nengi Gladys, Albimaki, na Joanna. Mais Gladys, a l'objet, Blandine. Moi, na mobile, on a la yeba avant, hein? Michel. On l'a dit, maman. Eh, papa, l'oba na yo, hein? Oui, je peux? Oui, oui, vous pouvez, s'il vous plaît, parce que là, c'est chaud. Ah, ok. Elle va, elle m'y est. Mon intervention, je voulais que je parle pour que tout le monde comprenne. Et je veux mélanger, je serai un peu vilain. Ok, merci. Moi, j'appelle depuis. Moi, je vis à Kinshasa, mais je suis actuellement en vacances aux États-Unis. J'ai encore une famille ici. Eh bien, je suivis ces dossiers depuis le début. Depuis le début, je suivis ces dossiers. Et je pense que. J'ai visualisé ma vidéo, moi et Mingi. J'ai comme l'impression que. T'entends ces attaques, c'est-à-dire tout le monde condamne Michel. Je sais bien qu'elle a fait du mal. Ce qu'elle a fait, personne ne peut tolérer cela. Mais je crois que les tâches sont partagées. On doit aider Michel, Tony et la fille Gladys. Pourquoi moi j'interviens en ces sortes? Parce que je suis aussi victime de ma Cambodge. C'est-à-dire. Ce que moi je peux dire à nos sœurs congolaises, nos sœurs quinoises, surtout les quinoises, elles doivent arrêter à faire de pression à des hommes mariés. Pourquoi? Parce que j'ai dit ça. Tout simplement parce que je fais un constat de filles congolaises. Là, je m'adresse aux filles congolaises qui me suivent. Elles doivent me suivre très attentivement. Ici, fille, que tel garçon vit en Europe, où il fait l'Europe, où il fait l'Amérique, hein, il voyage souvent, tu deviens un poids facile et à ma fille. Je le dis sur base de. Hein, parce que j'ai le vécu moi-même. J'ai le vécu. Vous verrez, il y a une fille qui te harcèle dans Internet et tout ça, te demander de l'argent sans pour autant poser en relation mon code Songolo Paralaté. Elle t'écrit même 2 heures tardives. Tu lui dis, mais madame, je suis mariée. Papa Limbisanga, essaie de résumer un peu, hein, s'il vous plaît. Parce que quand il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en Kinshasa. Ils ont été en train de se faire. Ok, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Voilà, je serai dans la mousse. Oui, s'il vous plaît. Je dirai à Gladys, ce que vous avez dans la vidéo, à vous conseiller dans le pays. Vous devez faire éviter quand un homme, lorsqu'un homme, tu sais qu'un homme est marié, parce que Gladys dit qu'elle ne savait pas que Tony était marié. Non, c'est faux. C'est faux. Avant, elle ne savait pas. Mais après, parce que dans ma vidéo, elle a dit que tant qu'on a découvert que l'homme est marié, Bakabonaki. Comment expliquer? Elle s'est permis. C'est déplacé pour la voyage. C'est ça le grand problème. Parce qu'elle savait déjà que l'homme était marié. Elle s'est permis cela. Peu importe. Je m'adresse maintenant à la dame Michel.
Vous savez, la loi est là. Hein? Nous ne sommes plus dans un état où on peut faire du n'importe quoi. Donc, c'est ça. Vous avez suivi comment le colonel qui avait tiré sur les gens... Il y a des choses en époque comment on l'a arrêté hein? Par l'ordre du président de la République. Donc, Michel, elle doit se laisser faire. En fait, elle doit affronter ce qu'elle a fait, la réalité. Elle doit affronter la justice. Elle doit affronter la justice. Et l'eau qu'on sur les cacres. Elle doit affronter la justice, peu importe le réseau qu'elle va donner. Ça, personne ne peut tolérer ça. Elle doit subir le coup de la justice. Et quant à Tony aussi, elle doit aussi être interpellée. Parce que tant que Bissonnioso, on fait cela, hein, pose un appétit copine à l'homme, tu ne peux jamais permettre au tiers-monde à battre en danger. Merci beaucoup, messieurs, merci. Merci, c'est gentil. On laisse deux minutes à d'autres personnes qui soient en attente et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci, ok, bye. Moi, personnellement, je sais que je vais dire, tu vas pas me laisser deux minutes. Maman Blandine, pardon. Non, mais en fait, on commence par Elva Maya, là, je pense, hein, qui était là le premier. C'est un homme, après, vous pouvez clôturer en même temps, parce que moi aussi, je vais clôturer. Ok. Elva. Oui, Blandine. Oui, bonsoir. Ben, l'autre qui m'appelle un appel vidéo, je pense pas que j'ai la tête à faire un appel vidéo à cette heure-là. Ok, on vous écoute, messieurs. Allô? Allô, oui, Elva, on vous écoute. Bonsoir, Blandine. Bonsoir. Blandine, affaire où il y a Gladys Saint-Michel, franchement, de temps en temps, il y a quelqu'un à faire où on va défendre affaire où, franchement, on va trouver le rôle là. Mais tout est pis au bâton. Donc, il y a la façon où il y a un pis, mais responsable, il y a payé un pis au Kabila, à m'aimer le pis au. Donc, comme on a pis au Pémon. Donc, trouvons normal. Vous comprenez? Donc, c'est qui sont nous tous, donc, trouvons normal. Mais pourquoi plus par bâton, tout ça, dans ma vie? Nazoka, t'as dans 4 minutes, hein? Nazoka, au tété la kema fumbe, j'ai dit, tu m'as moumoulou, bah, Nazoka, t'as dans 4 minutes. Elle va, s'il te plaît, si ça vite fait, Nati, qu'elle en déconne, ça, moi, c'est pardon. N'oublie pas que je suis en ligne. Hein? Oui, oui. Oui, oui. Elle va, si ça, une minute en tout cas, s'il te plaît. Merci. Ok. Pour le quand on va coucher ça, Kaki, Michel, elle est là, à Ebelo, à Salaki. Déjà, Nani, la liste va s'arrêter à son atome, depuis le mois d'avril 2018. Mais il y a aussi quoi, ceux qui m'ont dans la soupe, ça vient relâcher dans la soupe. Mais sauf que y a un niveau la téléphone, pour responsable, c'est d'abord piéger Aya, et une autre chose qui sont relations. Pour ça, tu vas avoir un cas là. Ce que vous avez dit, c'est qu'ils sont dans l'arbre. Ça, la m'a déjà dit. Déjà, ils ont dit que le téléphone, vous voyez, le téléphone est boulmatique. C'est la défense qui est. Que le téléphone est boulmatique. Soit le téléphone est boulmatique, soit le téléphone est boulmatique. Le téléphone pas passé à plus haut. Pour le téléphone, ok, merci beaucoup Elva Mayala. Toi tu l'as connu ça moi ça c'est ça pardon hein. Hein pour il faut la lukana kata s'il vous plaît. Ok, merci Elva s'il te plaît. Merci beaucoup. Ndekonanga moi aussi, pardon, deux maman, minutes. Merci maman Blandine, l'opportunité que tu m'as donnée. Donc je viens pour clôturer parce que j'ai commencé un peu le message avec toi. S'il y en a qui ont reconnu ma voix, donc j'ai eu à intervenir un peu souvent. Merci. Donc, je viens pour clôturer. Parlons peu, parlons bien maman Blandine. Comme on est là en ligne, il y a beaucoup qui te suivent, il y a beaucoup qui suivront, qui sont des enfants issus de la polygamie. Tu vas dire que non, moi je suis l'enfant de deuxième maman, moi je suis l'enfant de troisième maman, moi, etc. Donc on n'est pas là pour remettre en question la polygamie ou pour remettre en question que l'homme va voir ailleurs ou pas. Merci pour ce que leurs hommes sont monogames. Merci pour ce que leurs hommes sont fidèles. Le sujet n'est pas là. Depuis le temps, depuis Abraham, depuis Adam, depuis le commencement du monde, on n'a jamais vu l'homme se croiser ses pieds. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Ce n'est pas ça notre sujet.
pour notre frère qui a dit que oui, nos frères, nos soeurs à Kinshasa, quand vous voyez un homme qui voyage ou qui ont de la situation, machin tout, ce n'est pas seulement le pays. Même ici en France, on voit les femmes blanches qui vont pendant l'été à Nice, à Cannes, là-bas, à Saint-Tropez, quand elles savent que non, pendant l'été, il y a des hommes riches qui viennent là, elles se font belles pour aller tenter. Oui, quand bonsoir, on voit au milieu de poules, tout le monde court pour avoir la Zokata live dans deux minutes. Depuis les temps, parce qu'on a un mélitro, c'est pas aujourd'hui que l'on va parler de ça. Donc l'histoire est bon, ça n'a pas parlé au Rolo Bamouki à taille une minute, hein, vous résumez vraiment. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que c'est là que Michel a fait. Il faut que beaucoup de gens comprennent que c'est Michel qui a fait venir Gladys dans sa maison. Ce n'est pas Gladys qui est venue de elle-même dans sa maison. Elle est venue de la Belgique. Voilà. Elle a fouillé le téléphone de son mari. Elle a vu le message. Elle s'est fait passer pour, dans le message pour faire venir Gladys. Allô? Même s'ils n'étaient plus ensemble. Mais quand l'homme est revenu, si Gladys avait encore des sentiments pour aller vers l'homme, on s'en fout de ça. C'est là qu'on condamne. C'est là. Et puis, parlons vérité. Oh, tété, là, madame, excusez-moi, j'ai une autre personne. Ils sont dans le mariage. Quand vous dites que nous, les femmes, il ne faut pas regarder les hommes mariés. Mes soeurs, il y en a beaucoup qui sont dans les mariages, mais ce n'est pas leur mariage. Hein. Ok, madame, excusez-moi, il y a une autre consoeur. Il y a une autre consoeur qui va intervenir de Londres. Donc, bon, mais quand vous êtes là, moi, Mouké. Allô, vous parlez, madame. Oui, madame, ma soeur, les Angaï, n'a bien, en tout cas, n'a lundi l'intervention, dans les Kobasani, les Amalam, en tout cas, Kassi. Et là, on a l'ingaï, Kapolo, Babi, Sonio, Soutosa. Allô? Allô, oui, on vous écoute. Maman, le bambangoué, pardon. Maman, t'es n'a pas marié, n'a pas marié. Oui, mais là, on a l'ingaï, pendant moi, c'est Sani, en tout cas, les Afma qui tout au côté. Oui. Ok, on résume moi, Mouké, ma Ndekonanga, pardon, pour Nakata. Parce que la fille, elle était déjà lesbienne. Azalaka déjà lesbienne. Il faut l'ongolaye déjà dans mon ma belle était limite. Il faut l'ongolaye. Parce que j'ai un pantalon mousseau sur moi, bana. Ezalaka, mon pantalon, mon étine n'a pas de pantalon. Bon, je n'ai pas besoin de me vendre. Pantalon mousseau, mon assoukotier sous vêtements, ezalokotier était un akaka. Olati ya pamba moteka mwa porte slip moko ya muke na katikati point hein pour tango ko guza maboye omuna ke nini ba mama oni ni slim misuki nini string emuna na te moko ya mabeni ni kuna bola kisabiso banzoto kuna na bakisha se sali nini bandeko na ba poto hein mais attendez quoi sali en tout cas les enfants qui to côté hein. OK, merci beaucoup maman. Donati lande ko na biso moi si a bengi siko to kata s'il vous plaît. OK, merci hein. Merci. Au revoir. Allô, oui, bonsoir ma sœur. Oui, bonsoir. Tozo ka yonde ko nanga hein, ka ningo bi 30 secondes s'il vous plaît. Merci. C'est gentil vraiment. En fait, tout lundi bah résumé à ma kamunyo sont depuis bandi hein. Pas d'ngai ka na suki sala suka pona lobake. C'est bien beau que Michel Assengi, pardon,
mais biso tolingi tosenga Michel eloko moko soki Michel ya lingi tolimbisa ye asala biso video oyo ye ase atikala mutakala na atikala vraiment mutakala tomona mutakala wapi ke depuis na bani live mutabimisa eloko abo ezaka yo ya soloko ye fatikala mutakala asala nanu ba filme ye nanu toza besoin mona moto wa ko filme te me ba filme ye atikala du tete au pied nu na mapele na sexe. Hey, non mama ovana kawapi o mama ah wa mayele makasi mwana oyo parce que ko senga pardon boyo moni tampon loko ya zo saleza te ke toi contre me ba bi celui qui tue par le pays mourra par le pays. Merci hein. Parce que Et ça passe, et ça t'est comme on est tourné à maintenant que j'ai la rage, j'ai la haine. Oui, mais haine, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, honnêtement? Parce qu'elle a été maltraitée par son papa et que c'est une fille maudite. Maman, bon, lundi, deuxième vidéo, Michel a outi Konoubake. Non, Tony n'était pas là, Tony Azala qui était. Mais il était présent dans l'appartement, moi-même, j'ai eu Gladys. Voilà. La deuxième vidéo pendant que la fille au azo couvrir Gladys okay, a son bandit tika makambozo sala osa na poso kota prison kende kota prison na Europe et avant qu'on voit mon bas de l'objet Michel vient ici et la fille elle répond oh y a Michel kende tonto ni en benga ou tonto ni comme il dit tonto ou mais la maman osa la kiwa pibana kalo il fallait pas mata la Karine bote de la ke ma fume ba jidit ma moulou papa yo kayo tonto ni ou pana a ou wapi kiloto bazo filmer en noir et wote li wapi wapi arrêtez un peu biso toza basi pe toza te poto inventer to balo to bala te on s'en fout de mariage ok on s'en fout mais on ya sali wana sora li pardon la communauté non so de l'extérieur toza besoin katine abso vidéo to mon elongi na ye mutakala na ye apanza pe makulu comme ça to clore histoire akoti sape misapi na bika linga kota muninga Ako tisape misapi, aluka pe fimbu soki aluka mutuni na matunya fiakulaka e fimbu lwa ya misana na ubeta skor ba fiakulaka e. Comme ça wana biso pe to ebise wa 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 to kora. Ozala ki wapi vraiment. Oh merci mon Dieu. Bonne soirée maman. Bonne soirée, merci beaucoup hein. Merci, merci okay. Pour tout. Merci. Ok, de toute façon okangama, merci. En tout cas, merci beaucoup. Je tenais juste à dire un grand merci à Judith Mamoulouba, un grand merci à ma tante chérie Djemba Chocha. Joyeux anniversaire à toi encore, maman de qui propre. Un grand merci à Otete Lakema Fumbe Kochi Benge de moi-même. Un grand merci à Yolande Manoa Kouyo. Un grand merci Babé Nabango Baz. Bazino, l'impératrice Bazino. Na mutauti kado na kishasa e awa Esther Ngando na pese kaka un grand merci. Oye za kado empoisonné. Mais na zuye kaka li kambute. Un grand merci à la cousine de quelqu'un beauté fatale. Un grand merci à toi, mon oncle préféré, et moutete le Japon. Un grand merci, hein. Nani li sous bandeko. Ah, j'ai dit mamoulou ba yo bongo. Na pesika merci na Eden. Bonjour tata, bisous ma Eden chérie, ma gros bisous, ma tala Karine, ma gros bisous. Je vous aime en gros. Boumena. Bye bye. Marlène Bikele, Elva Mayala, Maître Nzoube, Kaboy. Bisous.